Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à l'ORTB. L'émission, c'est 5 sur 7 matin. Nous sommes mardi. C'est le 16 novembre 2021 pour nous, pour toute l'équipe technique et rédactionnelle. Eh bien, c'est un bonheur, c'est un plaisir de vous tenir encore compagnie ce matin. Nous sommes ensemble donc jusqu'à 8h45. Et vous le savez donc, mardi par ici, nous évoquons des questions ayant trait notamment à la santé et puis à l'environnement. Parlant d'environnement, eh bien, les rideaux sont tombés sur la conférence donc du climat, la COP26. Eh bien, a pris fin il y a quelques jours de cela. Quelles sont les grandes résolutions issues donc de cette réunion? Nous allons pouvoir en parler dans un instant. Ce sera donc avec mes invités. Restez avec moi. Je vous propose d'abord de regarder le flash info et puis je vous reviens juste après. Bonjour, bienvenue au Flash. Le Fonds national de développement agricole a facilité l'obtention d'un crédit à un pépiniériste dans la commune de Covey. Un appui financier qui lui a permis d'accroître sa production et d'être plus compétitif. Apollinaire Amoussou nous a apporté son témoignage. Il invite ainsi ses pairs à lui emboîter le pas. Comment faire en sorte que les populations aient un accès équitable à la terre et à l'eau? Un objectif que s'est fixé la convergence globale des luttes pour la terre et l'eau. Moyen utilisé pour y parvenir, une caravane itinérante dans plusieurs pays ouest-africains autour de la thématique « Droit à la terre, à l'eau et à l'agroécologie paysanne ». Une lutte commune. Évaluation des dispositifs de recherche et de formation en partenariat à Cotonou. Le consortium d'institutions de recherche internationales, sous-régionales et nationales se penche sur le bilan de ses activités au cours des 15 dernières années. Son défi est de démontrer la valeur ajoutée de l'agroécologie pour mieux accompagner les acteurs des systèmes agro-sylvaux, pastoraux dans la transition écologique. Les échanges se déroulent au siège de l'INRAB, l'Institut national des recherches agricoles. L'autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO est en campagne de sensibilisation au Bénin. Elle a initié hier lundi à Cotonou un atelier de plaidoyer et de partage d'informations sur les règles communes applicables aux échanges interétatiques. C'est dans le but de prévenir les pratiques anticoncurrentielles que cette session est organisée au profit des parties prenantes du Bénin. Le préfet de l'Atlantique a honoré l'un de ses rendez-vous statutaires. Il s'agit de la visite annuelle dans les communes. Et dans la matinée du lundi, Jean-Claude Kodjia était à Abomey-Calavi pour parcourir avec le conseil communal les actions menées. Le préfet de la Libourie met un terme à sa tournée statutaire par la ville de Kandi. Ahmed Bello Kissama a parcouru toutes les 6 communes que compte le département pour s'imprégner des difficultés et par la même occasion répondre aux préoccupations des administrés. Bénin Top 10, cette émission de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB n'a pas connu d'édition en l'an 2020. Et pour cause, le coronavirus est venu ravir la vedette à cette émission vedette. Son comité d'organisation est revenu à la charge pour cette année 2021. Pour cette 14e édition de Bénin Top 10, le dépôt de dossier est prorogé pour les artistes du Septentrion. C'est la fin du flash. Bonne journée. Vous l'avez compris, c'était à l'instant le condensé de l'actualité, le Flash Info, présenté donc par Fifame Salomé Atadedi. Tout à l'heure, à 7h, nous allons faire un point plus complet sur l'actualité nationale. Ce sera à travers le bulletin d'information, un bulletin qui nous sera présenté par Précieuse Akwerono. Je vous livre très rapidement le menu donc de cette matinale. Tout à l'heure,
au débat avec mes confrères. Nous allons revenir sur les grandes résolutions issues donc de la COP26 à Glasgow. Des regrets et des promesses sans doute. Et puis on parlera également, si tout va bien, de la situation à Agoué, une situation très inquiétante avec la haute marée, et bien source de plusieurs inondations donc dans cette belle localité. Nous aurons le temps d'en parler avec des invités et puis pourquoi pas un océanographe qui sera avec nous. Et puis dans la dernière heure de cette matinale, avec un prêtre catholique, plus précisément le père Eric Okpaïcha, directeur donc de la cellule de communication de la conférence épiscopale du Bénin, nous évoquerons le 160e anniversaire de l'évangélisation continue, et bien l'église catholique qui est en fête. Et puis enfin en sport avec Blaise Adankbo, on reviendra sans doute sur cette défaite des écureuils du Bénin face à la RDC. Nous allons voir les coulisses et les réactions après match. Restez avec moi, on marque une pause et puis je vous reviens juste après. Aujourd'hui, L'ORTB, passant vous. Mercredi. À Dogba et Kokissa, les canons du conflit sanglant se sont tus depuis très longtemps. On a tendance à vivre dans cette image de la colonisation et la colonisation a effacé notre histoire. Je l'ai espéré. J'ai désespéré. Je me suis accroché et j'ai prié tous les dieux, tous nos ancêtres. Les artisans qui étaient à la cour royale étaient triés sur le volet. 90 à 95% du patrimoine africain serait à l'extérieur du continent, dans les grands musées européens notamment. L'ORTB, passant vous. Et nous sommes de retour sur ce plateau justement pour lire les journaux. Vous l'avez compris, c'était justement la transition qui annonçait donc la revue des titres. On se rend donc au kiosque à journaux avec Marcel Arossi qui est déjà avec moi en place. Bonjour Marcel. Bonjour Ricardo, bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que la presse nous offre à lire dans les colonnes? Eh bien, c'est la une des journaux. Nous démarrons par l'Économiste. Réunion des ministres du commerce de l'UEMOA, les experts de l'Union en travaux préparatoires. Et puis, toujours à la une de l'Économiste, fiscalité en Afrique de l'Ouest, atelier de validation des outils de transition fiscale à Cotonou. Bénin, baromètre. Fin de la troisième édition des JPO sur les factures normalisées à Lokossa, les départements du Mono et du Koufo totalement acquis à la réforme fiscale. Porto Novo, la prochaine étape. Vaccin anti-Covid-19 dans les écoles. Le gouvernement n'a jamais imposé la vaccination aux écoliers et élèves, a clarifié le ministre de la Santé, Benjamin Rompati. Après l'élimination des écureuils en RDC, mécontente, la FBF saisit la CAF et la FIFA. Fraternité ce mardi, étude en commission de la loi de finances gestion 2022, Abdoulaye Biotchane et Adidia Toumatis défendent leur budget. Violation du règlement de jeu par la RDC. Nous revenons donc à cette rencontre liée à la phase éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui opposait le Bénin
à la RDC. Violation du règlement de jeu par la RDC, la CAF et la FIFA saisie. Les écureuils croisent maintenant les doigts. Allocation d'études universitaires 2021-2022. La plateforme de demande en ligne ouverte jusqu'au 7 février 2022 pour les étudiants. Restitution des outils de la transition fiscale en Afrique de l'Ouest. Des experts de la sous-région en conclave à Cotonou. La Nouvelle Gazette, 6e journée éliminatoire Qatar 2022. Le match RDC-Bénin continue devant la FIFA. Le grand jury, ce mardi, supposée imposition de la vaccination anti-Covid-19 aux écoliers et élèves, démenti formel du ministère de la Santé, Benjamin Mpati. 8e mairie visitée par le préfet de l'Atlantique, donc dans le compte de sa tournée statutaire, le maire Rwandinou à la main du salut du préfet Kodia. Le maire Rwandinou à la main du salut du préfet Kodia, retour des trésors royaux au Bénin. Toléba apprécie la restitution des œuvres. Matin libre. Le Bénin continue de ruser avec l'UEMOA. Test Covid-19. Le Bénin continue de ruser avec l'UEMOA. Parakou, l'école urbaine centre sans eau potable. L'école urbaine centre sans eau potable. Restitution des outils de la transition fiscale en Afrique de l'Ouest, des experts de la sous-région en conclave. Le grand regard, responsabilisation des préfets dans la vaccination Covid-19. Le vaccin contre la réticence des Béninois, enfin trouvé. Responsabilisation des préfets dans la vaccination anti-Covid-19. Le vaccin contre la réticence des Béninois, enfin trouvé. C'était la une du quotidien. Le grand regard. Et puis, nous allons finir avec le quotidien du service public La Nation. Projet de loi finances 2022, le bal des ministres s'ouvre au Parlement. Projet de loi de finances 2022, le bal des ministres s'ouvre au Parlement mondial 2022. Violation de la loi 3 du football par la RDC. Le Bénin saisit le comité d'organisation de la compétition. Dénonciation des violences basées sur le genre. Une plateforme digitale de prise en charge déjà disponible. Ricardo, voilà pour les titres. Merci Marcel Arossi pour la présentation donc de cette revue des titres des quotidiens donc parus. C'était Tokyo Ska Journaux. Merci Marcel, on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. À tout de suite. Donc autour de 8h30, vous serez là pour la revue de presse. Exactement. Précisément. À tout de suite donc. La suite de votre matinale 5 sur 7 matin avec cette question que je vous adresse. Dites-moi ce que vous pensez justement de ces conclusions qui ont été issues de la COP26. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle était une rencontre de plus? Eh bien, est-ce que vous avez l'impression que la COP26 qui a pris fin donc récemment à Glasgow était une rencontre de plus? Partagez avec nous donc votre avis via nos divers canaux de communication. Vous les connaissez si bien, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est également WhatsApp. WhatsApp au 61 19 88 88. Le 61 19 88 88. Partagez avec nous vos différents avis. Et puis, nous, on se fera le bonheur de relayer tout ceci par ici. En santé, tout à l'heure, puisque Jean-Claude James sera là avec son invité, on parlera du cœur. Comment combattre les maladies cardiaques? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Il reçoit pour nous un cardiologue qui sera donc sur ce plateau dans un instant. Et puis, dans la deuxième heure, ce sera purement des questions liées à l'environnement. Restez avec moi, on marque une pause, le temps pour moi de vous amener à la bibliothèque du sage. Aujourd'hui. Pour la macanoguru rugby. Et la loup possède un huit pétoc, ma pour me à l'ouïe. Filet sous cacao, glibetta, boulou, roubetta. Poisson, et nous pour gliropo. Et au bec pour vous, Anton, bilote, boulolé, bibola, willy, bec pour soleil, coaquio. Et fait des bémets, biwa qui tourne me con. Au d'un deuxième, ma loup, fait la loup, tourne me ou. Et fait les bi qui tourne me. Pour le poisson, il y a des glipons. Mais il y a des dents. 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 Il y a des dents.
L'ORTB, passant vous. Mercredi. À Dogba et Kokissa, les canons du conflit sanglant se sont tus depuis très longtemps. On a tendance à vivre dans cette image de la colonisation et la colonisation a effacé notre histoire. Je l'ai espéré. J'ai désespéré. Je me suis accroché et j'ai prié tous les dieux, tous nos ancêtres. Les artisans qui étaient à la cour royale étaient triés sur le volet. 90 à 95% du patrimoine africain serait à l'extérieur du continent, dans les grands musées européens notamment. L'ORTB, passant vous. Mercredi. Voilà les gars. Alors, c'est sympa, non? C'est pas mal. Waouh! Ça fait longtemps que vous n'y êtes pas venu? Oh, ça remonte à plus de 10 ans. Soyez les bienvenus en enfer. Niki ! Le RTB, passant vous. Nous sommes mardi, c'est le 16 novembre 2021, mardi donc de l'environnement, mardi de la santé sur 5 sur 7 matin sur l'ORTB. Je vous propose à présent, puisque je voulais annoncer en deuxième heure au débat plus précisément, nous parlerons donc des conclusions issues de la COP 26. Quelles sont les grandes conclusions? Est-ce des regrets qu'on nourrit après cette rencontre ou les promesses peuvent nous amener à espérer? C'est la question qu'on se pose. Je vous propose d'aller découvrir à cet effet ce que nous propose le sage. Parole de sage. Les paroles de sage nous proviennent ce matin d'un sage, d'un très grand sage. Lui, c'est bien le pape François. Avec le pape François, nous irons justement à la découverte de ces paroles de sage. Il dit ceci, il dit « Le climat est un bien commun de tous et pour tous. Le climat est un bien commun de tous et pour tous. » C'est ce que nous apprend donc aujourd'hui le pape François. Et ses paroles nous serviront donc de boussole tout au long de cette matinée, tout au long de cette journée, tout au long de cette matinale. Donc restez avec moi. Je vais recevoir à présent mes tout premiers invités donc de cette matinale. Jean-Claude James reçoit pour nous donc un cardiologue. C'est juste après ceci. Bonjour Jean-Claude James. Bonjour Ricardo, amis téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, vous nous proposez donc de nous entretenir sur le cœur, comment combattre notamment les maladies cardiaques, c'est cela? Tout à fait, et Ricardo, vous savez, nous voulons parler d'un organe qui pèse 0,5% de notre poids. Et il draine près de 8000 litres de sang en 24 heures pour que nous soyons en vie. Il s'agit du cœur, un petit organe, mais qui joue un très grand rôle
pour que vous et moi nous soyons là ce matin, ainsi que le professeur Léopold Kodjo, qui est un cardiologue, mais également coordonnateur de la Semaine du cœur à Parakou. Disons que nous sommes dans la dynamique du prolongement de la célébration de la Journée mondiale du cœur qui a eu lieu le 29 septembre passé. On en a parlé sur ce plateau, mais je vous l'ai dit, le rôle que ce petit organe joue est tellement grand qu'on ne finira jamais d'en parler. Aujourd'hui, il est là pour nous éclairer davantage, pour que vous et moi nous soyons en bonne santé. Professeur Léopold Kodjo, merci d'avoir accepté notre invitation très matinale. Merci de m'avoir invité. Bonjour. Voilà, nous allons aborder la question tout au long de cet entretien, mais déjà dites-nous, j'ai démarré un peu 0,5% de notre poids. Dites-nous autre élément pour que la définition soit complète, pour qu'on puisse parler du cœur. C'est quoi le cœur? Merci beaucoup. D'emblée, on peut dire que le cœur, c'est la vie. Le cœur, en effet, est un petit muscle qui est logé donc dans notre poitrine, au-dessus du diaphragme, et qui est doué d'une activité contractile spontanée. Et donc, le cœur est fait de cavités, donc de creux, dans lesquels arrive le sang. Et donc, à travers sa contraction, il renvoie le sang dans l'organisme. Mmh. Donc, il reçoit le sang oxygéné qu'il envoie aux différentes parties de notre corps pour leur nutrition. Et il en profite pour débarrasser ces parties-là de leurs déchets. Donc, il leur ramène et il renvoie le sang aux poumons pour l'oxygénation. Donc, le cœur est une pompe aspirante et refoulante. Et tant que le cœur fonctionne, nous sommes en vie. Dès qu'il s'arrête, nous sommes morts. C'est parce que le cœur fonctionne que nous sommes là ce matin et nous sommes en train de vous parler. Alors, pourquoi on s'intéresse tant à un petit organe? Alors, on doit s'y intéresser parce que c'est le moteur de notre vie. Et le cœur est en relation avec toutes les parties de notre corps à travers les vaisseaux, les artères qui amènent le sang vers ses organes et les veines qui ramènent le sang des organes vers le cœur. Lorsque le cœur dysfonctionne, tous les organes dysfonctionnent. Or, il se fait que l'exposition de notre organisme à différents éléments, différents facteurs que nous allons appeler facteurs de risque, oui, vont contribuer à épuiser le cœur. Ces facteurs-là sont des facteurs qui émanent de notre mode de vie, par exemple l'absence d'activité physique, l'alimentation qui n'est pas adaptée, le stress. Mais il y a aussi des facteurs qui sont innés en nous. Le fait de naître d'une famille qui souffre d'hypertension artérielle, de diabète ou famille victime souvent de crise cardiaque. Donc ces facteurs de risque-là font que le cœur va souffrir. Okay. Et avec le changement de mode de vie aujourd'hui, oui, le développement des moyens de transport, le changement de l'alimentation du fait de l'industrialisation, les fast-food, les boissons sucrées alcoolisées, les repas conservés avec beaucoup de sel font que l'environnement du cœur va changer et va changer à cause de l'obésité qui découle de ce mode de vie, à cause de l'hypertension artérielle, le diabète, et ces facteurs-là vont boucher les vaisseaux du cœur et créer des crises cardiaques. Mmh. Donc, il est vraiment urgent aujourd'hui de commencer par agir pour lutter contre ces facteurs-là qui vont contribuer à détruire le cœur. Si vous permettez, donc, professeur, nous allons suivre avec la complicité de la régie un élément qui résume tout ce que vous venez de dire. C'est avec le docteur Latif Moussé. Il est le directeur de la polyclinique à Tikamé. Monsieur le cardiologue, c'est quoi le cœur? Le cœur, c'est un petit organe indispensable. Vous savez, quand nous vivons, c'est que le cœur est là. Le cerveau, nous disons, c'est capital. Mais le cœur est plus que capital, parce que quand le cœur s'arrête, le cerveau peut prétendre ou les autres organes, il n'y a pas vie. Ce cœur est un petit organe qui pèse à peine 0,5% de notre poids. Et ce petit organe joue un rôle capital, puisque ça commence déjà très tôt, dans le ventre de notre maman.
dont ce cœur va battre tout le temps. Et il va drainer près de 8000 litres par 24 heures pour que nous soyons vraiment à même d'être là, vivants, en énergie. Quand on prend le cœur, il y a plusieurs parties. Il y a la partie vasculaire, c'est-à-dire au niveau des vaisseaux, il y a des veines, il y a des artères. Les artères donc du cœur lui permettent effectivement d'avoir aussi du sang. Au moment où il se repose, c'est au moment là que le sang rentre dans les différentes parties de ce cœur. Ce cœur a quatre cavités. Le cœur droit, le cœur gauche. Le cœur a deux petites cavités en haut, c'est les oreillettes. Et deux grandes cavités en bas, c'est le ventricule. Le sang va circuler dans tout l'organisme pour revenir au niveau du cœur droit par l'oreillette. Et le ventricule droit va recueillir ce sang. Le sang va partir du cœur droit vers les poumons. Donc, ce cycle va continuer tout le temps. Ce sang qui fait ce cycle permanent va nous permettre d'avoir du sang oxygéné à tout moment. Voilà, c'était à l'instant docteur Latif Moussé, le directeur de la polyclinique à Tikamé, qui nous expliquait également ce qu'est le cœur et les définitions, les explications que nous donnait et tout à l'heure également professeur Léopold Kodjo. Alors, professeur, dites-nous, pourquoi aujourd'hui, quand le cœur est touché, tout le cœur et tout le corps est touché? Oui. Bon, aujourd'hui, en fait, le cœur est de plus en plus touché. Mm-hmm. Je vais donner un exemple. L'artère pulmonaire est une artère qui amène le sang non oxygéné du cœur vers les poumons pour qu'il s'oxygène. Alors, s'il y a un obstacle, un caillou de sang qui bouche l'artère pulmonaire, ce que nous appelons embolie pulmonaire, c'est que le sang ne sort plus du cœur. La conséquence, c'est quoi? Le sang n'ira pas s'oxygéner au niveau des poumons et par conséquent, les autres parties du corps ne recevront plus accès d'oxygène. Ceci est déjà suffisant pour que la personne décède. Okay. Un autre exemple, le ventricule gauche, qui est la partie la plus puissante du cœur, qui envoie le sang oxygéné dans tout l'organisme. Lorsque ce ventricule gauche est détruit par l'hypertension artérielle, ce ventricule n'a plus assez de force pour envoyer du sang et la conséquence est qu'il y a pénurie. Okay. Le cerveau va souffrir, le rein va se bloquer, la peau de l'individu n'est plus oxygénée et conclusion, c'est la mort. Beaucoup donc, de choses, hein. Ces deux exemples que j'ai donnés aussi bien à droite qu'à gauche montrent que le cœur est vraiment au centre de la vie et il faut en prendre soin. Le problème, c'est que généralement, comme le cœur est au centre de la vie, lorsqu'il commence par souffrir, il ne se manifeste pas. Ah oui. Donc, lorsque le cœur est touché, surtout, on ne sait pas tout de suite. Donc, on peut avoir des lésions, des maladies dans le cœur sans le savoir. On peut donc avoir une bonne santé apparente avec une maladie du cœur. Oui. Et donc, il faut aller vérifier de façon régulière pour pouvoir se rendre compte que ce moteur qui fonctionne depuis des années marche bien ou ne marche pas bien afin d'éviter des arrêts brutaux. Bien sûr. Donc, la maladie du cœur se révèle souvent par des crises. Mais en fait, le jour où on a la crise, ce n'est pas ce jour que la maladie a commencé. Ça a commencé quelques années plus tôt. Okay. Professeur, une question profane. Est-ce que si je bois régulièrement de l'eau, j'aide le cœur à être en bonne santé? Évidemment, il faut s'hydrater régulièrement. On conseille même pour ceux qui n'ont pas de problème de cœur de prendre 2 à 3 litres d'eau par jour. Okay. Alors, c'est un conseil général. Mais lorsqu'on a une maladie du cœur, il y a certaines maladies du cœur pour lesquelles il faut éviter de boire de l'eau. Vous voyez, lorsque vous avez les pieds qui gonflent, vous êtes essoufflé, vous faites un peu d'effort, vous êtes essoufflé, il faut éviter de boire beaucoup d'eau. Sinon, l'hydratation régulière, effectivement, permet de faciliter la filtration glomérulaire. Donc, le rein est bien perfusé, les déchets sont éliminés et on est en bonne santé. Mais lorsqu'on a une maladie du cœur, il faut demander conseil au médecin pour pouvoir savoir à quoi s'en tenir.
éviter l'automédication, si je peux me permettre de le dire. Exactement. Alors, professeur, nous sommes de plein pied dans la dynamique de la prévention. Comment est-ce qu'il faut prendre soin du cœur? Alors, pour prendre soin du cœur, il faut faire trois choses globalement. La première chose, c'est de faire l'auto-dépistage. C'est-à-dire, alors que l'on ne sent rien, on est en bonne santé apparente, il faut de temps en temps aller chez le médecin pour vérifier un certain nombre de choses. La pression artérielle pour dépister l'hypertension artérielle, le poids et le tout du ventre pour voir si l'on est obèse, et la glycémie pour vérifier si l'on est diabétique et d'autres analyses, par exemple, pour voir s'il y a trop de graisse dans le sang. Cet auto-dépistage-là est conseillé déjà à 30 ans. D'accord. Donc, dès qu'on commence par être un adulte, il faut le faire au moins une fois l'année. La deuxième chose, c'est que pour ceux qui auraient été dépistés souffrant de maladies comme hypertension, diabète, excès de graisse et autres, il faut suivre rigoureusement les consignes du médecin et ne pas copier la prise en charge d'un voisin sur soi-même. Ça, donc, nous faisons ça très souvent. Voilà, parce qu'on dit que les moutons se promènent ensemble, mais n'ont pas le même prix. Donc, on peut sentir les mêmes symptômes sans avoir les mêmes maladies. Donc, il faut respecter les consignes des agents de santé. La troisième chose qui est un peu globale, c'est un peu gérer son style de vie. Et le style de vie passe par l'alimentation. Et au niveau de l'alimentation, nous recommandons de manger très peu salé. Que l'on soit malade ou pas, il faut réduire, voire même éviter le sel. Ensuite, il faut éviter l'excès de graisse, donc les mayonnaises, les beurres, les viandes grasses, il faut les éviter et les limiter. Il faut également éviter les boissons. Alors, la meilleure boisson que Dieu a créée, c'est l'eau. Et les jus qu'il y a dans les fruits. Oui. Donc, au-delà de ça, il n'y a plus d'autres boissons qui soient bonnes. Donc, que ce soit des boissons alcoolisées, des boissons sucrées, il faut les éviter ou les réduire au strict minimum. D'accord. Ce n'est pas un plaisir que de se bourrer de sucreries ou d'alcool. Il faut éviter le tabac. Oui. Le tabac, que ce soit le tabac fumé, le tabac prisé, le tabac chiqué et surtout la chicha. Et nous remercions les autorités qui ont mis une croix sur cette affaire-là. Il faut donc éviter le tabac. Il faut se donner une activité physique régulière. Il est recommandé, quelle que soit son intensité, de faire une activité physique au moins 30 minutes tous les jours. Au moins. Au moins 30 pas minutes. Plus, au moins. Au moins. Donc, une heure encore, c'est mieux. Il faut aller à son rythme. L'essentiel, c'est d'avoir du plaisir. Donc, ces choses-là étant faites, il y a globalement le stress aussi qu'il faut éviter. Nous ne pouvons pas vivre sans stress, mais il faut savoir gérer le stress parce que le stress peut donner l'hypertension et le diabète. Mmh. Donc, en gros, voilà un peu ce qu'il faut faire pour entretenir son cœur. Voilà. Alors, je le disais à l'entame de cette émission, vous êtes le coordonnateur de la semaine du cœur qui va se dérouler à Parakou. Dites-nous, c'est quoi cette 10e édition? Qu'est-ce qui va se passer? Merci beaucoup. Effectivement, la semaine du cœur est une semaine que nous avons dédiée à la sensibilisation sur les affections cardiovasculaires et nous faisons cette activité depuis 10 ans. D'accord. C'est une activité qui a été initiée par notre maître, le professeur Massoubodi Marina. Oui. Et que nous avons continué à Parakou. Alors, c'est en marge de la Journée mondiale du cœur qui est célébrée le 29 septembre de chaque année. Mm-hmm. Et cette année à Parakou, tout en collant au contexte de la pandémie de la COVID-19, dans le respect des gestes barrières imposés, nous avons plusieurs activités. La principale activité que nous avons programmée cette année, c'est le village du cœur. D'accord. Alors, c'est un concept où nous avons une place publique très vaste. Donc, ça va être la place Tabera de Parakou. Mm-hmm. Nous allons faire différentes choses. Donc, nous aurons des activités de sensibilisation, de communication sur les maladies cardiovasculaires, des activités de dépistage. Donc, les gens passeront gratuitement vérifier leur tension, leur poids.
Nous avons également des activités de promotion de la vaccination contre la COVID-19 parce qu'il est évident et on s'est rendu compte que les personnes qui souffrent de maladies cardiovasculaires sont les plus vulnérables face à la COVID et donc ces gens doivent se vacciner. Contrairement à ce que les gens pensent, il faut que lorsque vous avez une maladie du cœur, il faut vous vacciner. Ça, c'est important. Donc, nous allons profiter aussi pour faire la promotion de la vaccination. Et les soirs, nous allons faire la promotion de l'activité physique. Donc, en plein air, on aura du fitness avec de la musique. Et voilà. Donc, ça va durer du mercredi jusqu'à vendredi prochain. Et le samedi matin, nous allons faire la grande marche du cœur. Compte tenu de la pandémie, avant, nous faisions une marche unique. Mais depuis l'année dernière, on fait des marches étoilées. Donc, on fait plusieurs sites. Et puis, par petit groupe de maximum 50 personnes, les gens marchent, se rassemblent et on fait des vidéos qu'on met ensemble après pour la compilation. Donc, c'est des occasions vraiment de distraction. Et donc, ça permet de joindre l'utile à l'agréable en sensibilisant. À cette marche, on distribuera des masques aux gens. On mettra du gel pour que les gens se désinfectent les mains, surtout quand à l'arrivée de la marche, pour que tout se passe bien. Oui. Alors, 10 ans de marche, c'est quand même beaucoup. Si on faisait un petit bilan, est-ce que les gens quand même arrivent à se soustraire de cette maladie? Oui, malheureusement, les maladies cardiovasculaires sont des maladies chroniques qui ne guérissent pas. Lorsque vous entrez dans l'histoire de la maladie cardiovasculaire, vous n'en ressortez plus. Donc l'idéal est de ne pas, de ne pas entrer. Malheureusement, c'est des affections qui sont silencieuses. Donc, en 10 ans, beaucoup de choses ont bougé. Parce que nous sommes passés de l'étape où les gens étaient pratiquement totalement ignorants de l'existence de l'hypertension artérielle. Ils avaient des concepts totalement erronés. Mais de plus en plus, nous avons une meilleure fréquentation. Donc, quand je prends le service que j'ai dirigé à Paracourt sur les 10 années, au départ, en consultation, j'étais à 5 malades, 6 malades, fois 2 par semaine. Aujourd'hui, nous consultons avec 15 malades tous les jours. D'accord. Bon, ça, c'est une illustration. La fréquentation en hospitalisation a augmenté. Ce n'est pas que le nombre de malades a augmenté, mais les gens qui ne venaient pas à l'hôpital ont commencé par venir. Le challenge maintenant, c'est d'augmenter le niveau de connaissance dans la population, pas à l'hôpital. Il faut que dans les bureaux, dans les services, que les gens se rendent compte que lorsque je suis assis pendant plus d'une heure, je dois me lever 5 minutes ou 2 minutes. C'est très important. Les gens doivent savoir que lorsque j'ai mal à la poitrine, ce n'est pas en ce moment que je vais aller faire du sport parce que quand j'ai mal à la poitrine, je vais à l'hôpital. D'accord. Ouais, les gens doivent savoir que lorsque le médicament que le médecin m'a prescrit pour l'hypertension artérielle finit, je ne vais pas attendre le prochain rendez-vous avant de renouveler. Donc, c'est ça le challenge à venir et je sais que nous allons l'atteindre. Il y a aussi à lutter contre les fausses informations. Oui. Je ne vais pas stigmatiser. Fake news. Mais les fausses informations sont dangereuses. Il y a des gens qui, sur des plateaux de télé, de radio, disent beaucoup de contre-vérités. Et il faudra que nous trouvions les moyens pour corriger ces choses-là. Parce que ces gens qui ont la possibilité de communiquer, malheureusement, ils communiquent sur du faux. Parce que par derrière des intérêts de vente de ci, de ça. Donc, un challenge, c'est aussi ça. D'accord. Le dernier challenge, c'est qu'il y a un lien actuellement entre les infections et les maladies du cœur, les pneumonies, et nous parlons de la pneumopathie au SARS-CoV-2, la COVID-19. Tous ceux qui ont des maladies du cœur souffrent plus de pneumonies que ceux qui n'en ont pas. D'accord. Ils vont en mourir plus que ceux qui n'en ont pas. Donc, les infections sont un gros problème contre lequel nous devons lutter. Les hépatites, c'est la même chose. Voilà, le VIH, vous voyez, donc, au même moment qu'il y a des programmes qui luttent contre les maladies infectieuses, il faudra faire le pont avec les maladies non infectieuses pour que le résultat final soit bon. Alors, puisque vous le disiez tantôt, la pneumonie, on en a parlé le 12 passé. Est-ce qu'il y a véritablement un lien avec le cœur?
Oui, la pneumonie, c'est une infection qui touche les poumons. Oui. Donc, c'est une infection pulmonaire basse. Okay. Le cœur envoie du sang non oxygéné vers les poumons. Et au niveau des alvéoles, le sang s'enrichit en oxygène et okay. revient pour alimenter l'organisme. D'accord. Lorsqu'il y a une infection au niveau des poumons, la surface d'échange avec l'air diminue et donc le sujet n'a pas assez de sang. Ça, d'accord. c'est la première chose. Okay. N'a pas assez d'oxygène. Mm-hmm. La deuxième chose, c'est que l'infection étant dans les poumons, ça va créer un blocage qui va faire qu'il y aura embouteillage. C'est-à-dire que le sang ne pourra plus passer facilement. Donc, le sang va s'accumuler dans la tête pulmonaire et détruire le cœur. Donc, c'est la deuxième conséquence. Maintenant, lorsqu'il y a des infections aussi qui entrent par les poumons, et qui finissent par infecter le cœur. Mm-hmm. Et on va parler des endocardites, okay. qui sont, tout ce que j'ai cité là, sont des maladies très graves. D'accord. Donc, les pneumonies sont vraiment des facteurs de décompensation des maladies du cœur. Et ce sont certes des raisons même qui font que celui qui a une maladie du cœur va être hospitalisé plusieurs fois pour insuffisance cardiaque. C'est la même chose chez les enfants, puisqu'il y a la maladie du cœur chez les enfants. Les enfants ont des cœurs mal formés, et à cause de leur malformation du cœur, trop de sang vont dans les poumons et comme on peut dire, vous voyez à votre trou, je ne sais pas si à votre trou a changé maintenant, c'était tout le temps inondé, okay. c'était tout le temps vert et sale. C'est la même chose dans les poumons des enfants qui ont les maladies du cœur. Il y a trop de sang, donc il y a d'inondations, il y a des infections pulmonaires qui sont là à répétition et tant qu'on n'a pas réglé le problème du cœur, l'enfant n'est pas bien. Et ça fait que le taux de décès avant 5 ans chez les enfants est très élevé du fait de la pneumonie. Chez les parents, il faut consulter. Hein? Faut consulter très tôt, d'ailleurs. Donc, la pneumonie est un danger oui. pour le cœur et on doit lutter. Et comme la COVID-19 est une pneumonie, c'est le versant. Puisque en Afrique, on était un peu résistant, mais avec la COVID, ceux qui ont des problèmes cardiaques meurent plus de la pneumonie liée à la COVID-19. Et donc, ceux-là aussi doivent se mettre à l'abri en respectant les gestes barrières, mais aussi en se vaccinant. Bien sûr. Est-ce que dans la population qui participe à cette semaine du cœur, est-ce qu'il y a des femmes enceintes? Parce que je sais que quand l'hypertension frappe à leur porte également, c'est très grave. Ah oui, c'est dramatique. Nous recevons des femmes enceintes, ce n'est pas la grande proportion, mais il y a quelques curieuses qui arrivent. Et elles sont souvent surprises de savoir que, oui, elles pourraient souffrir de maladies cardiovasculaires. Il y en a même qu'on découvre avec hypertension, qu'on réfère au gynécologue. D'accord. Donc, c'est vraiment quelque chose qui concerne tout le monde, en fait. Alors, la semaine du cœur, qui peut participer à la semaine du cœur? Alors, rappelez-nous ça. Tout le monde peut participer. Il suffit d'être... d'habiter dans les environs. Ici, ça se passe à Parakou. Et donc, il faut pouvoir accéder à la place Tabera de Parakou. C'est gratuit. Les enfants, les adultes, les personnes âgées, tout le monde peut vraiment accéder. Et la marche du cœur, il faut pouvoir marcher. Dès qu'on peut marcher, c'est qu'on peut faire la marche du cœur. Professeur Léopold Kodjo, qu'on appelle affectueusement Léo Kodjo, nous sommes à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que vous avez à dire? Déjà, remercier l'OTB pour cette opportunité, inciter les populations à savoir que ce n'est pas parce qu'on ne sent rien qu'on est en bonne santé. Il faut donc aller se faire dépister, vérifier la tension, le poids. Et il faut avoir une alimentation saine, peu salée, peu gras, peu sucrée, sans alcool, sans tabac. Et Dieu s'occupe du reste. Bien sûr. La règle des 3P, une alimentation équilibrée et qui respecte la règle des 3P. Ouais. Merci beaucoup à vous, professeur Léopold Kodjo. Nous faisons également un clin d'œil au professeur Mariama Massoubodji. Elle a été ministre de la Santé. C'est une belle initiative et nous allons prier pour que cela continue. Merci pour tout ce que vous faites pour la population béninoise. Merci. Ricardo Lepekou, le professeur l'a dit, la meilleure boisson, c'est l'eau. Absolument. La meilleure boisson, c'est l'eau. C'est pour ça qu'il faut prendre de l'eau tout le temps. Merci Jean-Claude, professeur, merci. Merci. Vous passez une excellente journée et à très bientôt. Merci. La suite, c'est de votre matinale. Une courte pause et je vous amène découvrir quelque chose de très intéressant. Notre guide aujourd'hui, William Tchouki. Commune d'Avrancourt,
une des 9 collectivités locales du département de l'Ouémé. Située au sud-est du Bénin, elle abrite une population de plus de 150 000 âmes pour une superficie de 150 km². Une superficie couverte en grande partie des bas-fonds, des marécages, des plaines inondables, des îlots forestiers au nombre de 49, abritant des fétiches. Nous voici dans l'un de ces îlots, la forêt sacrée de Kotansagbe, dans le village de Katé. Une forêt de quaternaire, parce que les recherches que nous avons conduites ici, avec l'aide de l'université, l'aide des amis de l'université, ont montré que cette forêt dispose de 30 espèces qui sont des espèces rares. Et sur la liste rouge du Bénin, nous avons 11 espèces. Et pour la première fois en forêt, on a trouvé 2 espèces dans cette forêt. Ça veut dire que c'est une forêt capitale avec des espèces, non seulement des espèces endémiques, mais des espèces de grande importance. Pendant des millénaires, pendant des années passées, les parents l'ont utilisée. Cette forêt a été érodée, mais aujourd'hui, on est en train de promouvoir la conservation intégrale de cette forêt qui fait partie des rares forêts sacrées à une dimension avoisinant 1 hectare dans la zone. Restaurer cette forêt sacrée et sauver la richesse floristique, une tâche de protection qui, par enchantement, a reçu l'aval de la communauté, une action portée par Grab ONG. Je voudrais d'abord remercier la communauté pour leur ouverture. Et je dis aussi, chaque territoire doit savoir, chaque cadre ou chaque fils d'un milieu doit savoir lire à travers la communauté qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qu'on peut apporter. De ma formation, je suis naturaliste. Et je me suis intéressé à l'environnement à travers ma formation de géographie. Et la nature voulant, je suis devenu ingénieur en gestion communale et communautaire. Donc très tôt, et j'ai déjà fait l'inventaire de tout ce qu'il y a comme forêt sacrée dans la commune. Mais je suis tombé fortuitement sur cette forêt qui m'a fasciné, qui m'a d'abord donné envie d'aller à l'encontre de cette forêt. Parce que comme tout le monde, il y a d'autres qui aiment le football, j'aime un peu aussi. Mais ce que j'aime le plus, c'est d'être en contact de la nature et de la communauté. L'environnement. C'est ça qui, pour me guérir, c'est plus dans la nature. Et je peux passer la nuit dans cette forêt sans m'inquiéter. Parce que, et là, pour la conservation, on est allé à l'écoute de la communauté. On a fait des dialogues avec eux. On a travaillé avec eux. On leur a montré l'importance de leur forêt. Une importante quantité de ressources naturelles gracieusement offertes par la nature aux humains. Mais ici, dans la commune d'Avrancou, ces îlots forestiers ont une particularité. Ils sont tous situés en bordure des marécages ou des cours d'eau. Mais c'était stratégique d'être aussi à côté, parce qu'on a besoin de l'eau pour faire l'agriculture. Et parce qu'ils ont connu beaucoup de guerres, des razzias, des gens qui les pourchassaient, la plupart de ceux qui venaient ne connaissaient pas les pratiques d'eau. Et quelle eau? Eau de bas-fond, c'est pas n'importe qui rentre dans les bas-fonds. Donc, quand il y a des razzias, quand il y a des gens qui veulent arracher, les prendre, automatiquement, il peut fuir, rentrer dans l'eau et partir. Et vous rentrez dans la forêt, vous ne verrez personne. Donc c'était stratégique pour nos grands-parents. Et dans la migration du 15e, du 16e siècle, ils sont les premiers, les sites qu'ils ont occupés le plus, c'est à côté de l'eau. Cette forêt, l'oxygène qui part d'ici, le bien-être qui part d'ici, l'énergie qui part d'ici, c'est pour tout le Bénin, c'est pour toute l'Afrique, c'est pour le monde entier. Ces forêts constituent des lieux d'éducation, de conservation des espèces endémiques. Elles regorgent aussi de la faune menacée, des espèces rares, le sacré au service de la nature. Ce qui éduque plus, c'est la nature. J'ai souvent dit à des jeunes qui me suivaient dans la nature, j'ai dit,
Personne ne vous discipline, c'est la nature qui le fait. Quand tu marches n'importe comment, il y a les épines qui t'arrêtent, il y a quelque chose qui te coupe, on ne marche pas n'importe comment dans la forêt. C'est ça le sacré ? Le sacré aussi, c'est des règles. Quand on dit que c'est sacré, si les dignitaires t'autorisent à dire, voilà, tu as accès à tel lieu, tu as accès à tel lieu, on les suit. Moi, je ne viens pas pour désacraliser ce qu'ils font. Je viens pour conserver le sacré qu'ils ont. Mais au milieu de tout ça, là, ce qui m'intéresse, c'est le vivant. Pas seulement le spirituel, mais c'est le vivant qui est autour du sacré. Et le vivant qui est autour du sacré, c'est là où nous sommes. Cette climatisation naturelle, cette air. Et chaque plante dégage quelque chose qui guérit, qui protège et qui soigne. Il y a beaucoup d'autres plantes. Donc, c'est comme une pharmacie que nous avons. Mais aujourd'hui, c'est comment travailler en bonne intelligence. Faire l'inventaire complet de ce qu'il y a et de dégager qu'est-ce qu'on peut utiliser et comment l'utiliser en bonne intelligence pour que la génération après nous puisse trouver. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire nous consommons aujourd'hui et tant pis pour la génération à venir. Aller dans la forêt, c'est aussi aller s'éduquer. Aller apprendre. Ah oui, aller apprendre. Aller apprendre. Je vais même conseiller aux parents, quand les enfants vont atteindre un âge, ils n'ont qu'à aller faire un tour dans une forêt, ben, je ne dis pas forêt sacrée, dans une forêt quelconque, pour apprendre aux enfants à se maîtriser. Parce que ici, quand vous rentrez dans cette forêt, vous marchez n'importe comment, c'est des lianes qui vous attendent pour dire, monsieur, attention, on ne marche pas n'importe comment ici. Parce que vous devez maîtriser votre sens, savoir là où vous mettez les pieds, et où vous allez, et vous allez contrôler au fur et à mesure. Sinon, vous tombez sur des épines, et ça vous met dans les pieds, vous serez obligé d'arrêter. Donc, c'est aussi un lieu d'éducation. La nature éduque, elle enseigne, elle protège et nourrit. En retour, elle ne demande que notre attention pour bénéficier de toute sa vertu. Vous l'avez compris, c'était donc à l'instant William Tchouki qui nous amenait découvrir cette forêt. Vous l'avez compris, hein? Beaucoup, beaucoup de choses à découvrir dans cette forêt. Il faut pouvoir aller découvrir les réalités de notre pays. C'est très important. C'est ce que nous aidait William Tchouki à découvrir il y a quelques minutes. William Tchouki que nous allons sans doute retrouver tout à l'heure autour de 7h30. Ce sera donc dans le débat du jour. On parlera notamment donc de cette COP26 qui a pris fin donc à Glasgow. Quelles sont les grandes résolutions issues donc de cette rencontre, des promesses ou des regrets? Nous aurons le temps d'aborder cette thématique au forum de discussion et puis bien d'autres choses, hein, également dans la troisième heure de cette matinale. Je vous le disais, je recevrai le directeur de la cellule de communication de la conférence épiscopale du Bénin, le père Eric Okwaicha. Avec lui, nous parlerons donc du 160e anniversaire de l'évangélisation continue. Eh bien, l'Église catholique qui est en fête, il nous en dira davantage. Et puis, dans les sports, aujourd'hui avec Blaise Adangbo, si tout va bien, on reviendra sur cette élimination, cette défaite donc des écureuils du Bénin. C'était donc dimanche dernier, les écureuils qui ont tout simplement perdu devant la RDC, 2-0. On revient sur les coulisses et les réactions d'après-match. Ce sera dans quelques petites minutes. Restez avec moi dans quelques 2 ou 3 minutes. Précieuse Aquaronou sera avec moi. Ce sera pour le bulletin d'information. Le temps pour nous de faire un tour donc à la direction des relations publiques de l'ORTB. À tout de suite. Deux voitures neuves à gagner par les consommateurs qui participent à la tombola des factures normalisées, mise en jeu par la Direction générale des impôts pour féliciter et encourager les populations qui exigent et conservent les factures normalisées après les achats dans les différents magasins sur l'ensemble du territoire national. Maître Maxime René Assogba, huissier de justice près le tribunal de première instance de Cotonou et ayant la charge de la transparence du dit jeu, nous renseigne sur la sécurité de la tombola et la disponibilité de l'ensemble des lots, dont les deux voitures neuves. Comment être participant à ce jeu? Il faut simplement à l'achat des biens et services
exiger la facture normalisée. Dès qu'on vous a émis une facture normalisée, vous êtes participant à ce jeu tombola facture normalisée. Et des tirages sont prévus. Il y a les tirages hebdomadaires tous les vendredis à la Direction générale des impôts qui donne droit à des lots, 50 lots de 20 000 francs, 30 lots de 50 000 francs, 15 lots de 100 000 et enfin 5 lots de 200 000. Il faut dire qu'à la fin de chaque mois, tous ceux qui ont obtenu des factures normalisées au cours du mois participent également à un autre tirage à la fin du mois qui donne droit à 2 lots de 500 000 francs CFA. Et à la fin de l'année, on procédera au tirage des super lots concernant 2 véhicules. Depuis juin 2020, nous avons toujours procédé au tirage et les gagnants passent chercher leur lot. Je veux dire que nous avons fait des remises naturellement à Cotonou, à la Direction générale des impôts, et nous avons fait des remises itinérantes. Nous sommes allés à Porte Novo, nous sommes allés à Lokosa, à Boïcon et récemment à Parakou pour des remises de l'eau. Le jeu se fait dans les règles de l'art parce que c'est un logiciel qui tire au sort les tickets. L'administration fiscale, représentée par son directeur général adjoint, nous présente ici l'importance d'intégrer les populations au cœur de la réforme de facture normalisée. Effectivement, la tombola a été initiée pour encourager nos concitoyens consommateurs finaux qui, le début de la réforme des factures normalisées, ont bien compris l'intérêt de cette réforme et qui ont accompagné la Direction générale des impôts. Et donc, c'est pour les inciter à réclamer chaque fois, toutes les fois qu'ils font des transactions dans les centres commerciaux, que cette tombola a été mise en place pour les encourager, pour les motiver à réclamer les factures normalisées. Et ce faisant, ils permettre à la Direction générale des impôts de mobiliser davantage de ressources au profit de l'État. L'engouement des populations autour de la facture normalisée se manifeste par leur participation active au jeu et l'importance pour eux d'exiger et de conserver les factures normalisées. J'ai acheté pour 15 000 des cartes et j'ai gagné 200 000 euros. J'ai acheté pour 3 600 francs seulement. Et j'ai gagné 100 000 francs. Je vous remercie, chef du développement public, de 500 000 que vous avez gagné après avoir réclamé votre facture normalisée. Les nouées, quoi. Les supermarchés. Et facture normalisée. On a facture normalisée. Qu'on a facture normalisée. Quand on vit que le loterie a les fonds, on a sorti qui va, il y a une sortie qui va. On a le loterie. Donc, si on a le loterie, on a gardé le ticket. Mercredi, il y a un numéro de 10 numéro. Il y a un nom que j'ai gagné un lot à la DGI. Il y a un plein de la filière. Il y a une facture normalisée. Chers consommateurs, à vos marques, prêts, un seul geste, exigez la facture normalisée lors de vos achats et devenez le regagnant de l'une des voitures neuves. Les aïes, Tobola, facture normalisée. Aujourd'hui, Aujourd'hui,
nous étions pour prier au nom de la gloire à Patton, tout le temps à Patton, Bero, qui ont tout le monde qui a été mis dans le RTB. Passons vous. Retour donc sur ce plateau après cette pause publicitaire. Vous l'avez remarqué, il est 7h, c'est l'heure justement du bulletin d'information présenté ce mardi par Précieuse Aquarolon, comme tous les autres mardis d'ailleurs. On l'installe tout de suite. Précieuse Aquarolon, bonjour. Bonjour Ricardo, Loïc Pécou, amis téléspectateurs, bonjour. Ravi de vous retrouver ce matin donc. Sachez déjà que le Fonds national de développement agricole a facilité l'obtention d'un crédit à un pépiniériste dans la commune de Covet. Un appui financier qui lui a permis d'accroître sa production et d'être plus compétitif. Apollinaire Amoussou apporte son témoignage ici au micro de Lenaïk Agbazaou. Il invite également ses pères à lui emboîter les pas. Microfinance de terre non équerré à dire non bleu nos comptes d'eau et per coup bête ça 17 millions nous aider les voir représenter votre support mais d'eau à soi ouais nous conduit peut-être ton ou les mamans quoi d'un homme encore dans nos yeux à soi support les a on dit ouais quoi au moins à soi dion et nanoukma il a l'habitude de prendre des financements de faire des prêts au niveau des structures mais il n'a jamais eu le montant qu'il souhaite. Donc on lui a proposé d'aller vers le FNDA et il a accepté. On l'a orienté vers une structure d'appui d'encadrement, une SAE, qui lui a monté son plan d'affaires et puis il est allé déposer. Il a donné la fiche d'aliment, il est allé déposer et puis ça y est. Comment faire en sorte que les populations aient un accès équitable à la terre et l'eau? Un objectif que s'est fixé la convergence globale des luttes pour la terre et l'eau. Moyens utilisés pour y arriver. Une caravane itinérante dans plusieurs pays ouest africains autour de la thématique droit à la terre, à l'eau, à l'agroécologie. Une lutte commune. Eman Rodrigue Gamégan et Petronilla Locoso. Ils défendent une cause clairement définie. Pour eux, la terre, l'eau, les semences, ce sont nos biens communs à tous. De ce fait, ils ont décidé d'institutionnaliser le combat et ont mis en place en juin 2015 la convergence globale des luttes pour la terre et l'eau. Elle regroupe 11 pays ouest-africains. Tous les deux ans, la plateforme organise une caravane sous-régionale de sensibilisation, d'interpellation et de mobilisation. Pour cette édition, la caravane partira de la Gambie, traversera le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Guinée avant d'achever sa course en Sierra Leone, pays de la destination finale où le livret vert, document de plaidoyer de la convergence globale, des luttes pour la terre, l'eau et les semences paysannes en Afrique de l'Ouest, sera remis au président de la République. Ils soutiennent le fermier et le producteur, se battent pour le pain et le vin. Leur action a déjà fait tache d'huile au Bénin. La caravane était allée à Gbarouété. À Gbarouété, c'est un grand député qui a accaparé les terres et a délogé près de 300 hectares de terre et a mis les populations, les communautés dans la précarité parce que ces terres-là, c'est les terres qu'eux, ils cultivaient. Mais le passage de la caravane, avec le soutien du préfet, le dossier est allé devant la justice et aujourd'hui, le dossier est devant la criette. Des combats et des succès, plus de 1000 km à parcourir pour cette caravane au cœur vert et aux élans humanitaires.
Le consortium d'institutions de recherche internationale, sous-régionale et nationale se penche sur le bilan de ses activités au cours des 5 dernières années. Son défi est de démontrer la valeur ajoutée de l'agroécologie pour mieux accompagner les acteurs du système. Les échanges se déroulent au siège de l'INRAB, l'Institut national des recherches agricoles, Koudous Abdoulaye. Face aux défis de la production agroécologique, cette palette de scientifiques mutualise leur approche pour des solutions durables, notamment au système agro-silvopastoraux des zones de savane soudano-sahélienne. À ce rendez-vous de bilan d'activité, des échanges par visioconférence, mais également en présentiel, seront menés entre ces chercheurs venus du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, de la France et du Bénin. C'est un consortium d'institutions de recherche et d'enseignement international, sous-régional et national, créé en 2009. Il se donne pour but d'explorer des voies de production agroécologique comme alternative à l'intensification conventionnelle. Le dispositif ASAP, c'est le dispositif en partenariat en général. Ce sont des consortiums de chercheurs de différentes institutions qui mettent ensemble leurs idées, qui mettent ensemble leurs efforts, leurs énergies, en vue de traiter une thématique, et notamment pour le DP, c'est la thématique de l'accompagnement de la transition agroécologique. Il faut mettre toutes les disciplines ensemble pour pouvoir accompagner ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les producteurs, dans cette transition agroécologique. La rencontre de Cotonou offre l'occasion à ces chercheurs de faire le point des acquis et d'évaluer l'efficacité du dispositif ASAP afin de se projeter sur le projet scientifique pour les 5 prochaines années. Parlons maintenant de cet atelier de la CEDEAO qui a eu lieu ce lundi à Cotonou, un atelier de plaidoyer et de partage d'informations sur les règles communes applicables aux échanges interétatiques. C'est dans le but de prévenir les pratiques anticoncurrentielles que cette section est organisée. Le compte rendu est signé Renaud Akapo. C'est au mois de décembre 2008 qu'est née l'autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO. Elle a pour principale mission de surveiller le marché des échanges interétatiques et de veiller à la stricte application des règles communes sur la concurrence. Après la Gambie, le Ghana et le Togo, la RCC pose ses valises à Cotonou pour outiller les parties prenantes sur les enjeux liés à la concurrence dans l'espace ouest africain. En organisant cette journée de sensibilisation et de partage d'informations, la RCC exprime son engagement à poursuivre le dialogue avec les États membres afin de contribuer de manière significative au développement de la culture de la concurrence dans notre région. Cet atelier qui s'ouvre dans un espace hôtelier de la métropole économique va se dérouler en deux temps. D'abord des exposés sur des thèmes précis et ensuite des travaux dans les groupes thématiques assortis de séances de restitution et de recommandations. Le thème qui nous réunit, à savoir le cadre régional de la concurrence de la CEDEAO, est très important, notamment dans la perspective de la mise en œuvre de la zone de la libre-échange ZELECA. Il est en effet important et devenu urgent que les États membres de la CEDEAO connaissent et maîtrisent le cadre régional de la concurrence dont ils se sont dotés avant d'entrer de plein pied dans la ZELECA. Je voudrais vous exhorter à accorder une attention particulière aux différentes communications qui vont meubler cette session et à participer activement aux travaux afin que les résultats escomptés soient pleinement atteints. Le concept de la concurrence repose sur la liberté laissée aux acteurs économiques de produire et de vendre les biens et services dans les conditions fixées par le marché. Le préfet de l'Atlantique a honoré l'un de ses rendez-vous statutaires. Il s'agit de la visite annuelle dans les communes. Jean-Claude Kodia était à Bomekalavi pour parcourir avec le conseil communal les actions menées. Suivez le compte-rendu de Jean-Claude James et Patrick Imanvo. Huitième et dernière commune de l'Atlantique visitée par Jean-Claude Kodia, à Bomekalavi. Ici,
La séance prend l'allure d'une reddition de compte. Un exercice laissé à la discrétion du maire. Dans chaque secteur, les lignes ont quand même bougé. Je dois rendre à César ce qu'est à César, hein, pour mes Calavi. Seul Calavi à 53% à ce jour, et je voudrais compter sur Calavi pour que nous atteignions les 100% d'ici l'année prochaine. Des réformes majeures sont engagées par le chef de l'État et son gouvernement dans tous les secteurs. J'exprime à ces grands hommes de grandes ambitions et de détermination sans borne notre profonde gratitude. Si les efforts sont plutôt encourageants, il y a par endroits quelques points noirs. La recrudescence du viol sur mineurs, par exemple. Sur les 55 cas enregistrés dans le département de l'Atlantique fin août, Abome Calavi compte à elle seule 26. Je peux vous rassurer que sur les 55 cas, plus de 45 auteurs sont déjà mis aux arrêts. Le reste, c'est que nous avons parfois les parents au dos. Tout de suite, nous avons sous la main une fille victime de viol de la part de son père. Le papa est en prison, mais toute la famille paternelle a tourné dos à la fille. Et c'est ça ce qui est aberrant dans cette affaire. L'autorité préfectorale boucle ainsi sa tournée statutaire en invitant chaque conseil communal à plus d'efforts pour de meilleurs résultats. Tant les défis à relever sont nombreux au regard des attentes du gouvernement. Et parlons toujours de tournée statutaire. Le préfet de la Liborie met un thème à sa tournée statutaire par la ville de Kandi. Il a parcouru toutes les 6 communes que compte le département pour s'imprégner des difficultés et par la même occasion répondre aux préoccupations des administrés. On regarde ensemble. Kandi, chef-lieu du département de la Liborie. Dernière étape de la tournée statutaire du préfet Ahmed Bellokissama. Ici, comme dans les 5 autres communes parcourues, l'autorité s'informe des exploits de la mairie. Depuis le début de l'année, différentes questions de développement qui impactent positivement la vie de nos concitoyens sont débattues au cours des sessions du conseil communal. 2 séances de reddition de comptes dans tous les arrondissements ont été organisées respectivement le 16 juillet et le 5 novembre 2021. Quant aux difficultés, Kandi a souffert effectivement lors des dernières précipitations enregistrées, mais il y a eu des caniveaux qui ont été éventrés. Déjà, l'asphaltage est en vue. Ça veut dire que ça hisse Kandi dans une autre dimension. Il faudrait que la ville s'organise déjà à accueillir ces infrastructures, mais surtout à les entretenir. On attend des infrastructures, mais il faudrait qu'on s'acquitte aussi de cette tasse pour pouvoir permettre un bon entretien de ces infrastructures. En réponse à la franche collaboration avec les forces de sécurité et de défense, Ahmed Bellokissama insiste sur la notion de la coproduction de la sécurité. Nous sommes à l'heure de la coproduction de la sécurité. Ça veut dire que la sécurité, ce n'est plus seulement l'apanage des professionnels. Vous devrez nous aider à engranger le maximum de renseignements pour une bonne sécurité. Vous devrez aussi aider les forces de défense, comme vous le faites déjà, à travailler dans des conditions très décentes. C'est au regard des difficultés spécifiques à chaque commune que l'autorité préfectorale prendra dans les tout prochains jours des dispositions qui s'imposent pour le bonheur des populations. Bénin Top 10, cette émission de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin n'a pas eu lieu en 2020 et pour cause, le coronavirus, son comité d'organisation est revenu à la charge pour cette année 2021. Patrick Diossou et Igor Ayosso nous font un rapide tour d'horizon sur les points forts de ce retour de Bénin Top 10 après Covid-19. C'était la tribune de la promotion de la musique béninoise. Ici, c'était l'une des finales de Bénin Top 10. Et puis vint un bémol, le coronavirus Covid-19, qui fut la fausse note pour l'édition 2020 de cette émission, d'abord radiophonique, puis télévisuelle, vieille de plus de 10 ans. C'était donc en 2008. Où Atlantic FM a décidé donc de faire quelque chose de différent que ce qui se fait au pays et comme dans la sous-région, donc de choisir l'artiste de l'année. C'est celui-là qui a été pratiquement le plus connu, le plus vu donc à la télévision, le plus entendu à la radio
et le plus lu et vu sur les scènes dans une année ou dans l'année de référence. Si l'année 2020 a connu un bémol, une note diminuée, l'année 2021 connaît un dièse, une note augmentée. Aujourd'hui, c'est désormais une rubrique à part entière. Je vais parler de la meilleure collaboration que nous retrouverons chaque année. L'autre innovation au niveau des prix, c'est le prix de la promotion digitale. Bénin Top 10 2021, c'est également une émission et non un spectacle. C'est avec beaucoup de pincement au cœur que nous vous l'annonçons parce que Bénin Top 10, la tradition, c'est la chaleur du public, c'est une célébration, c'est un spectacle. Mais conjecture oblige, ce sera donc une émission, mais riche en couleurs et en son. Pour ce, je vous laisse le réalisateur. Homme de l'ombre, le réalisateur est l'artiste qui met en lumière cette émission. Au niveau des caméras que nous allons utiliser, au niveau de la régie lumière, régie son, le décor, toutes les décisions ont été prises quand même pour pouvoir faire vivre une belle émission diffusée à la télé, à la radio et sur nos canaux digitaux également. Retour donc de l'émission prodigieuse qui prodigue aux mélomanes des conseils sur les artistes prodiges de chaque année. Bénin Top 10. Et pour cette 14e édition de Bénin Top 10, les artistes du Septentrion peuvent aussi déposer leur dossier. Elliot Djordji en parle ici au micro de Patrick Diossou et de Igor Ayosso. Depuis le 1er novembre, nous avons lancé les appels à candidature pour le compte de cette 13e édition de Bénin Top 10. Vous avez été très nombreux à déposer les dossiers. Nous voulons déjà vous remercier pour cet engouement-là, cet attachement que vous avez pour Bénin Top 10 qui récompense l'artiste de l'année et qui encourage la promotion musicale dans notre pays. Le Septentrion a toujours fait partie de Bénin Top 10, la présélection. Mais cette année, nous n'avons pas pu récupérer les dossiers du Septentrion sur notre site à Parakou. Et donc, pour ce, le comité d'organisation a décidé de proroger le dépôt des dossiers exceptionnellement pour les artistes du Septentrion. Donc, jusqu'au 22 novembre, artistes béninois ayant sorti soit un single ou un album au cours de l'année 2021, vous avez la possibilité d'aller à notre direction régionale de Parakou, direction régionale de l'OETB Parakou, pour déposer votre dossier. Les pièces devant figurer dans le dossier défilent dans le communiqué à l'antenne. Donc, direction régionale de l'OETB à Parakou pour déposer votre dossier ou appeler le 97 114 47 114, donc pour déposer votre dossier si vous êtes artiste du Septentrion. Et c'est ici que s'achève ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, précieuse Akwekhonou, de nous l'avoir présenté. On va vous retrouver demain. Demain, mercredi. Tout à fait. À 7h. Rigoureusement. Merci, précieuse. À demain. Vous passez une excellente journée. Merci. La suite de votre matinale tout à l'heure au forum de discussion avec mes invités. Ils sont déjà tous là d'ailleurs. Nous parlerons de la COP26 qui s'est déroulée récemment donc à Glasgow. Des regrets et des promesses au thème justement de cette rencontre qui a mobilisé plusieurs dirigeants de nos États. On parlera donc des grandes résolutions, des grandes conclusions issues donc de cette COP26. On aura en plateau, si tout va bien, celui-là qui était l'envoyé spécial donc de l'ORTB à Glasgow. Et puis on parlera également de cette haute marée à Agoué. La situation, elle inquiète sérieusement. Je recevrai à cet effet un océanographe avec lui. Nous évoquerons le sujet. Mais pour l'heure, je vous invite à observer une courte pause. Le temps pour moi d'installer par ici tous mes invités. Mercredi. À Dogba et Kokissa, les canons du conflit sanglant se sont tus depuis très longtemps. On a tendance à vivre dans cette image de la colonisation et la colonisation a effacé notre histoire. Je l'ai espéré. J'ai désespéré. Je me suis accroché et j'ai prié tous les dieux, tous nos ancêtres. Les artisans qui étaient à la cour royale étaient triés sur le volet. 90 à 95% du patrimoine africain serait à l'extérieur du continent.
dans les grands musées européens notamment. L'ORTB, passe en vous. Mercredi. Voilà les gars. Alors, c'est sympa, non? C'est pas mal. Waouh. Ça fait longtemps que vous y êtes pas venu? Oh, ça remonte à plus de 10 ans. Soyez les bienvenus en enfer. Nicky ! Le RTB, passe en vous. D'accord, 31-13. Retour donc sur ce... Ouais, retour sur ce plateau. Ouais, ils ont commencé le débat même avant que je ne l'annonce. Vous avez compris. Monsieur Sabot est sur ce plateau. Il est très impatient parce que justement, il veut parler à William Tchouki. William, ça va? Ça va très bien. Rentré? Ouais, très bien. Ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est bien passé. Le séjour à Glasgow. Bon, c'est vrai que c'est bien à pas le froid qu'on essaie de gérer parce que nous, on n'est pas habitué à ce froid. Vous savez, ici, sous nos cieux, c'est 28, 30, 32, mais là-bas, vous allez, c'est parfois moins 6, moins 10. Alors là... Ça, c'est encore rien, monsieur. Ouais. À moins 6, bon. Ouais, moins 6. C'est pas moins 30, là, c'est pas moins 20. Il fallait partir vers les Montréal, tu vas voir. Ouais. Actuellement. Sylvain, Calgary. Ouais, ouais. Tu vas taper les moins 20, les moins 30. Vous avez compris, mesdames et messieurs, le débat, il a ainsi commencé. Mais de toute évidence, William, il va bien, il va beaucoup mieux. Très bien. Et puis, il profite donc du beau soleil de Cotonou depuis qu'il est rentré. Ouais. Ça fait plaisir de vous revoir. Bonjour. Bonjour, Ricardo. À vos côtés, Alain Tosoulon. Bonjour, cher. Oui. Merci d'être avec moi. Et puis, monsieur Christian Adier, vous êtes aussi à l'ouvrage, c'est bien ça? Oui, bonjour, Ricardo. Et puis, monsieur Patrice Sabou, environnementaliste. Bonjour, monsieur Sabou. Alors, William, vous étiez donc à Glasgow, je le disais à l'instant, pour participer à cette rencontre sur le climat, la COP26. Vous nous avez d'ailleurs toujours fait par ici le point tous les mardis au forum de discussion. In fine, quelles sont les résolutions prises après donc cette COP? Ça vous fait sourire? Ouais, ça me fait sourire parce que déjà, sur les réseaux sociaux, la plupart des résultats, les gens l'ont déjà, même s'il y a des nouveaux données, il y en a qui ont exagéré dans les conclusions qui ont été données. Mais il faut dire d'emblée que les attentes n'ont pas été toutes comblées. Mmh. Il faut le dire d'emblée parce que on était parti pour qu'on fasse tout pour maintenir la température à 1,5, mais on n'a pas réussi à le faire. Mais néanmoins, il faut quand même reconnaître qu'il y a eu des avancées. Même si ces avancées, certains vont les qualifier de très minimes. Je suis d'accord que c'est minime, mais c'est quand même des pas qu'on a pu effectuer. Ça permet de se dire, si on va continuer dans cette même lancée, on pourra gagner la bataille. C'est vrai que la chose est là, déjà ça frappe à nos portes. Chaque jour que Dieu fait, nous constatons ses effets. Je prends un exemple très simple, si vous permettez, Ricardo, et aux autres collègues qui sont ici sur le plateau. Jamais on a évoqué la question d'élimination progressive des énergies fossiles à une rencontre aussi internationale qu'elle soit, la COP. Mais cette fois-ci, on l'a dit. Et ces pays qui sont les gros émetteurs, qui utilisent beaucoup plus ces énergies, ont commencé par l'accepter. Donc c'est quand même déjà un grand résultat qu'on peut mettre à l'actif. Même si on ne peut pas évaluer cette réduction d'utilisation de ces énergies fossiles, c'est là en fait la grande problématique. Les gens vont l'utiliser, mais comment savoir si vraiment ils ont réduit l'utilisation de cette énergie fossile, que sont le charbon, le pétrole, ainsi de suite, voilà. Mmh. Donc, l'autre échec que je pourrais citer, à part cette réussite par rapport à l'élimination progressive des énergies fossiles, c'est par rapport à la finance climat.
À ce niveau, les choses n'ont pas, je dirais, pas du tout bougé. À l'accord de Paris, on disait que déjà dès 2020, que... Hein? 2019, qu'on devait commencer par donner 100 milliards de dollars aux pays en développement, parce que c'est eux qui sont le plus impactés. Mais jusqu'à l'heure là, on n'a pas pu réunir ces 100 milliards de dollars. À cette COP, on a dit, OK, on le fait pour que l'année prochaine, vous ne commencez pas à verser ces 100 milliards de dollars. Mais ils ont tout fait, ils l'ont repoussé à 2023. Là encore, c'est un échec. Pourquoi on attend 2023? Pendant ce temps-là, les effets sont là. Les pays continuent d'être frappés par les affres des changements climatiques. La preuve, tout récemment, j'étais là-bas, j'ai vu les images de Cotonou. Non, je crois que c'est dans le Mono, à Grand Popo, où déjà la mer a fait bouger beaucoup. À Goué, précisément. Voilà. C'est des pertes et des préjudices pour ces populations de pêcheurs qui vont quitter là. Qui est-ce qui va rembourser cela? Est-ce l'État? Est-ce ceux qui mettent beaucoup les gaz à effet de serre? Voilà les grosses questions qu'on devait se poser. En attendant d'entrer dans le vif du sujet, je m'arrête là pour le moment. Je sais que Sabou m'attend. Non, c'est pas moi, c'est... Alain aussi m'attend pour m'attaquer. Mais je vais dire quand même, il y a eu des avancées à cette COP. Il faut le reconnaître, même si on aurait voulu mieux. Voilà. Finalement. Oui, Alain Tosoudon, avant de venir à vous, Patrice Sabo, il y a eu visiblement plus de regrets que d'avancer à suivre même William dans son contradiction. Il est d'accord avec nous. Tout ce qu'on disait avec lui durant les deux semaines, nous sommes arrivés maintenant à la fin et que rien n'a bougé. Parce que moi, attendez. Je refuse de mots qu'on dise que rien n'a bougé. Non, attendez. C'est COP 26. Flop 26. C'est exactement ça. Ben, c'est vous qui le dites. Non, parce qu'avant de partir à la COP, les gens ont eu des attentes. Est-ce que c'est parmi leurs attentes qu'on a eu les petits résultats dont vous parlez? Je ne pense pas. Parce qu'arrivé là-bas, on les a détournés de leurs attentes pour leur proposer autre chose. Et si vous constatez bien, on l'a déjà dit ici, il y a deux catégories d'acteurs. Ceux qui disent, nous allons faire de l'atténuation. Et d'autres qui disent, aidez-nous à faire de l'adaptation. Et toutes les charges, finalement, reposent sur ceux qui ont promis de faire de l'atténuation. C'est ce que ça veut dire. Les gens sont partis faire du plaidoyer pour que leur adaptation soit prise en charge par ceux qui promettent de l'atténuation. À l'arrivée, personne n'a rien fait. Est-ce qu'on a promis de rester dans la marge, la trajectoire, comme ils le disent, de 1,5? Non. Les CDN ont montré que après évaluation, on va à 2,7. C'est ce que ça veut dire. Donc, personne n'a bougé. Et moi, je voudrais dire, j'ai écouté le négociateur sénégalais. Vous savez que le négociateur est un prestataire de service. Ouais. Il ne peut jamais dire que j'ai échoué. Il a fait ses minimes avancées sur ce qu'on venait de dire. Il dit oui, on a demandé aux pollueurs de nous donner, de compenser les pertes et les dommages. Et en lieu et place, on nous a promis de l'assistance technique. Regardez-moi ça. Et il prend ça comme une avancée. Il dit également que sur les 200 milliards qui étaient, les 100 milliards qui étaient promis avant, on leur a donné 330, quelque chose comme ça. Ensuite, il dit l'arrivée des États-Unis est un gain. Comment il va parler comme ça? J'ai écouté le ministre de l'Environnement du Kenya, qui a été déçu sur tous les plans. Tous les médias, tant américains qu'européens, sont restés sur la même déception. Comment on peut nous dire qu'il y a avancé? Il n'y a pas eu avancé. Et lorsque vous dites qu'on va vous attaquer, pourquoi vous attaquer? Ce n'est pas vous. Personne ne vous attaque. Au contraire, moi, je vous félicite. Je vous félicite pour avoir été là-bas. Et l'OTB a pu avoir les images en direct et on a vu ce qu'on appelle les États-Unis. Regardez, dont les gens disent que son arrivée ne va pas favoriser les choses, a refusé que, au niveau des dommages, on ne prend aucun engagement au risque d'être attaqué devant la justice. Vous voyez ça? Donc c'est de la désinvolture. C'est ça, quoi. C'est ce que moi je voudrais dire. Personne n'a été satisfait. Et ce qu'on craignait arriver, prolongation encore. C'est-à-dire que ce qu'on a pu, on aurait pu dire en deux semaines. On n'a pu rien dire et c'est en quelques heures. Même la déclaration finale a été modifiée 4 fois avant d'avoir quelque chose qui n'arrange pas
La Chine est venue pour dire, ah, lorsque vous dites qu'on va sortir du charbon là, ah oui, on va sortir. Le test final, le premier test c'était ça. On sort, on abandonne. Seule la Chine est venue dire, on ne fait pas ça. Et on dit, on réduit. Quelle avancée ça? Il a de la mauvaise volonté. Et ce que moi, ce qui me réjouit, ils ont montré en face du monde que les jeunes de chaque pays, les décideurs de chaque pays n'ont qu'à prendre leurs responsabilités, je le redis encore, pour que quelque projet qui sera à l'origine d'émissions de gaz à effet de serre et à effet de serre venant d'eux, soit refusé et rejeté complètement. D'accord. C'est ça la conscience environnementale. Alain Tosoulan, une COP de plus? Ouais, je dirais même que celle-là, c'est un fiasco, puisque le président de la COP26 à la cérémonie de clôture n'a pas pu retenir ses larmes, parce qu'il était visiblement déçu, puisqu'à la dernière minute, comme le dit le doyen Sabo, à la dernière minute, le test final, le pacte de Glasgow, a été modifié, parce que tout simplement, l'Inde, soutenue par la Chine et les États-Unis, ont refusé de sortir du charbon. Au lieu de parler de sortie du charbon, ils ont parlé de réduit, mais sans un cap. Ça veut dire on réduit, bon voilà, il n'y a pas de cap. Donc ça veut dire qu'effectivement, cette COP, finalement, il n'y a pas eu d'avancée réelle. Alors, sur la question de la finance, ben, à la place de l'argent qu'on attendait que les pays... Les 100 milliards de dollars... On nous a proposé quoi? On nous propose un dialogue. C'est un dialogue à la place de l'argent. Qu'est-ce qu'on va faire avec le dialogue? Mais aujourd'hui, vous l'avez dit, même ici, à Goué, même à Neho et autres, vous avez vu comment le niveau de la mer s'élève avec les conséquences que nous avons. Qui va supporter les pertes et les dommages? Et à cette COP, on attendait visiblement que sur au moins la question des finances, que l'on puisse avancer. Et même... ce que l'accord de Paris avait prévu, les 1,5 degrés. Mais je crois que le doyen l'a dit aussi, on s'achemine vers 2,7 degrés. Alors, or, on sait très bien avec 2,7 degrés que les conséquences seront dramatiques. Donc on est déjà parti. Vous avez vu ces derniers jours, vous avez vu cette chaleur. Bien sûr. Est-ce que vous arrivez à supporter? Pas du tout. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les effets se font ressentir par tout le monde, à tous les points de la planète. Et c'est en ce moment que les décideurs sont incapables d'avoir... Ils n'ont pas eu le courage parce que, tout simplement, ils sont attachés à des plans de relance de l'économie, à plein de choses, alors que le monde est en train de s'effondrer. Alors, mon ami parle de petites avancées et autres. Effectivement, vous savez, nous sommes dans un... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Effectivement, ils n'ont pas voulu avancer vers les sujets brûlants. Ils ont évité les sujets pour amener autre chose. C'est vrai que sur la question des énergies fossiles, ça n'a jamais été à l'ordre du jour. Mais parce qu'ils voulaient faire bonne figure, ils ont amené ce sujet un peu pour nous distraire. Mais en réalité, sur la question du charbon, et c'est là où le président de la COP a été déçu, parce qu'au moins, ça devrait être, c'est-à-dire, l'avancée réelle sur la question, la sortie du charbon. Mais l'Inde... qui a commencé à évoquer le sujet, qui ne voulait pas visiblement sortir du charbon, et a été supporté par la Chine. La Chine qui pollue 2 fois plus que les États-Unis et 4 fois plus que l'Inde a trouvé un intérêt. Et aujourd'hui, vous voyez, entre la Chine et les États-Unis, ils ne s'entendent pas. Mais sur cette seule question-là, ils se sont retrouvés pour dire, bon voilà, nous supportons l'Inde parce que, bon voilà... Donc quand on est dans une situation pareille, on ne peut pas, véritablement, faisant le bilan, dire qu'on a avancé sur cette question-là. Et sur la question de la finance climatique, sincèrement, je dis, si ces pays qui refusent de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, refusent encore de supporter les pertes, sous prétexte que, bon, il y a des plans de relance, l'économie ne va pas très bien actuellement et tout, ils n'ont pas l'argent... Alors là, je crois que ce qui est certain, c'est que et les pays développés et nous, tout le monde va dans le mur. C'est clair. Et seulement, nous, on n'a pas cette capacité de résilience. Nous n'avons pas les moyens qu'il faut pour faire face donc, aux catastrophes. Ils ont les moyens, mais eux-mêmes, je crois qu'ils vont aussi sentir un peu les coups. À cette allure, il faut craindre, hein, monsieur Adier. Oui, vraiment, il faut craindre parce que, comme l'a dit tout le monde, on s'attendait à mieux, mais malheureusement, ça n'a pas bougé, quoi.
ça n'a pas bougé. Et puis moi, je ne m'attendais même pas, je m'attendais à ce résultat parce que, comme toujours, les pays développés ne veulent pas réduire. Puis encore, la Covid qui est venue, tout le monde était en berne, les économies partout. Et actuellement, c'est un peu comme si, on peut comparer ça un peu à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, où tous les pays, surtout les pays industrialisés, s'arment encore à reprendre avec force. Donc ils ne vont pas accepter quand même un réduit. Oui, la preuve est que tout ce qu'on demande ici, et ils sont même prêts à dire, vous autres qui ne polluez pas, ne polluez plus. C'est-à-dire, si c'est possible, on va même acheter ce que vous polluez, mais laissez-nous, nous on va continuer. Donc, c'est un peu ça. Donc. William Zouki. Ouais, je comprends ce qu'a dit M. Sagbo, ce qu'a dit Alain et puis M. Agui. Je suis d'accord que dans l'ensemble, tout le monde est déçu. N'ont-ils pas raison de faire cette analyse? Vous dites? N'ont-ils pas raison de faire cette analyse? Ils ont raison de faire. Donc vous partagez ces analyses? Si, je partage. Donc une COP de plus, un fiasco? Non, on ne dira pas une COP de plus. En fait, je comprends un peu Alain quand il dit COP de plus. Oui, mais pas une COP de plus. C'est qu'est-ce que quand on ne s'assoit pas pour parler, pour discuter, pour s'entendre sur ce qu'on va faire. Et vous avez retenu de quoi de tout ça? Vous avez pris part aux échanges, vous avez suivi les grands dirigeants. Finalement, au moment où on s'attendait justement que ce pacte soit signé, d'autres ont estimé qu'il fallait changer le cours des choses. Vous avez vu au début de cette rencontre-là, vous avez vu un peu la déclaration des chefs d'État. Parfois, vous êtes ému quoi, de constater que les gens, ils savent que le danger est là, que cela vient, qu'à tout moment, que tout le monde peut partir. Mais il y a des intérêts, je ne sais pas comment cela s'explique, mais inavoué que parfois les gens... Par exemple, vous avez vu l'Inde, c'est l'Inde qui a évoqué, justement Alain l'a dit, c'est l'Inde qui a évoqué ce problème de charbon, arrêtons l'utilisation de charbon. Mais à la dernière minute, il fait... Oui, voilà. Donc, voilà des choses parfois qui parfois vous énervent. Vous constatez que les gens sont prêts à aller au bout, mais après, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis, je me rappelle hier, quand je suis venu, je suivais une chaîne internationale où le président américain Joe Biden disait qu'il veut sortir 1 000 et quelques milliards de dollars pour reconstruire son pays parce que les infrastructures ne sont plus de nombre. Et il disait que quand il venait au Congrès, que les États-Unis avaient les infrastructures les meilleures du monde et qu'aujourd'hui, qui sont à la 13e position, cela voudra dire quoi? Que c'est une concurrence. Ça dit qu'il ne dit pas son nom, quoi. Tout le monde veut être meilleur, quoi. Tout le monde veut être le meilleur de ce 21e siècle. Donc, ce problème de vouloir être le meilleur, cela ne peut pas nous amener à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'un jour, on s'est dit, OK, on va aller vers les énergies renouvelables, mais combien sont-ils à le faire? Même si dans ces pays, on voit beaucoup plus de bus électriques, mais derrière ces bus électriques, il y a beaucoup de déchets que cela produit. Donc, j'ai comme l'impression que personne n'est encore conscient du danger qui nous guette. C'est vrai que ici, nous qui sommes dans les pays moins avancés, les pays insulaires, nous sommes les plus fragiles par rapport à cette crise. Quand ça va venir, on sera les premiers à partir, même si eux aussi... Mais il y avait des dirigeants africains là-bas également à cette COP qui ont participé aux négociations. Justement. Il y avait des chefs d'État africains qui ont participé, qui ont dit leur vérité. Je prends par exemple par rapport au Congolais qui a montré que nous avons aussi un poumon vert en Afrique. Alors si vous continuez à détruire cela, ben nous on ne va pas vous permettre cela justement. Parce qu'il y en a qui sont prêts à venir exploiter cette forêt. Ils disent, nous, on ne va plus permettre cela. Bon, même si entre griffes, c'est des paroles, c'est pas moi, à la politicienne. Oui, voilà, parce que quand les gens amènent les moyens, ils sont rapidement aussi tous, ils cèdent. En fait, c'est ça le problème, quoi. Quand je suis descendu, j'ai vu les jeunes marcher dans la ville de Glasgow, je me suis dit, mais est-ce que ces gens qui sont en salle écoutent vraiment ce cri de cœur de ces jeunes qui... Parce que l'avenir, c'est nous, c'est eux, en fait. Ces gens, ils sont déjà en train de partir. Et je me dis, on se trace une ligne, quoi. Ces hommes politiques, ces États développés, on se dit, mais nous menons la concurrence, on doit tout faire pour être au top niveau. Alors, par conséquent, le problème de réduction de gaz à effet de serre, on le met au second rang. Mais c'est dommage. C'est vrai que je suis d'accord presque avec vous que on aurait voulu avoir mieux à cette rencontre, mais ce n'est pas une COP de plus. Ce n'est pas une COP de plus. Je pense que ce n'est pas une COP de plus. Patrice Sagbo, il dit que ce n'est pas une COP de plus. Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? Vu que même les dirigeants qui devraient pouvoir s'entendre et nous sortir de toute cette situation ne veulent pas évoluer sur la question. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais on fait la part des choses. Ils sont 20 à décider au nom de 193 pays. Donc les autres pays qui
ne se voit pas dans la trajectoire d'émission de gaz à effet de serre, n'ont qu'à se concerter si vous faites une coalition. Moi, je pense que c'est comme ça. Si nous avons une planète unique, il y a des gens qui sont décidés à la détruire et nous ne sommes pas de leur côté, nous nous mettons en coalition contre eux pour voir ce qui va se passer. C'est ce que moi, je pense. Je vous ai dit ici, il faut un tribunal. Mmh. Il faut faire du climat un sujet de droit de l'homme. Comme on traite ceux qui ont pillé les économies, ceux qui ont tué, ceux qui produisent de la barbarie, on les amène à la haie. Il faut traiter ces gens-là de cette façon. Donc, il faut créer un tribunal. Moi, je pense. Et ce qui me rassure dans cette position, c'est dès que les gens ont parlé de réparation et de dommages, les États-Unis ont dit « Ah, on n'est pas d'accord au risque d'être conduit devant les juridictions ». C'est ça. Donc, ils savent très bien ce qui peut se passer. Donc, ils ne veulent pas être condamnés. Moi, je pense que c'est comme ça. Deuxième chose, lorsqu'on dit que l'Afrique émet moins de 4%, c'est une moyenne. Parce qu'il y a l'Afrique du Sud, les pays développés aussi en Afrique, hein, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte et autres, qui sont dans la même dynamique que ces gens-là. Donc, il faut faire la part des choses pour dire, bon, voilà, ils vont partir à Sharm el-Cheikh. Je connais cette ville. C'est une ville désertique. Il n'y a rien là-bas. Mais ils ont conçu tous les hôtels du monde entier sont là-bas. Vous allez voir, ce que je n'ai jamais vu, c'est deux rôles de plénière. Totalement sécurisés. J'ai vu ça. Mais lorsqu'ils iront en 2022, c'est ça, alors. C'est tous les deux ans ou bien tous les ans. Comme là. William va vous poser la question. Lorsque vous partez. Vous pouvez la question, c'est ça? Oui, c'est en 2022. Ben, vous y allez aussi, quoi, vous devez la poser? Lorsque vous partez là-bas, ici, là-bas, c'est. Non, on ne va plus. Non, regardez, cette année-là, c'est le Royaume-Uni qui peut avoir une force économique pour dire je décide, je veux que. Mais en Égypte, l'île va faire quoi? C'est un pays africain. Il n'y a pas de respect. Ils n'auront aucune force de faire quelque pression sur qui que ce soit. Ce serait la même chose qui se produira là-bas. Regardez. Donc finalement, il faut mettre fin à ces rencontres. Moi, je pense. Arrivé là-bas, regardez les jets. Combien de jets ont déversé combien de CO2 dans l'atmosphère pendant 2 semaines? Regardez ça. Qui répare ça? C'est des gaz de plus. Ils ont fait des déjections partout. C'est-à-dire que c'est des déchets de plus. Ils ont bavardé. Ils ont fait des trucs. Ça c'est rien du tout. Ils sont restés sourds à tout. Vous allez inviter notre ministre de l'Environnement ici pour lui dire, finalement, mais vous êtes déplacé pour partir là-bas. Vous avez gagné quoi? Ce serait la déception, il va vous dire ça. Non, je ne parle pas de déception. Attendez. Vous permettez que je reprenne. Mais attendez. Vous savez, non. Je n'ai pas dit échec. Attendez. J'ai parlé de déception des attentes. D'accord. Je veux quand même vous dire quelque chose. William, vous savez, oui. Quand on est parti, il y a plusieurs délégations qui sont parties. Enfin, je veux parler, il y a des opérateurs économiques, il y a des maires qui sont partis. Il y a des cadres du ministère qui sont partis. Mais il y a des choses qui ont été signées par les maires. Il y a des choses qui ont été signées par les opérateurs économiques. On ne peut pas dire que tout ça, que c'est zéro. C'est pas possible. On parle des résultats. Attends, la COP26. Mais chaque pays a eu des résultats à son niveau. Quand je prends par exemple une commune d'Abou Mekalavi qui a eu un contrat, par exemple, pour faire de l'agro-business, vous voulez dire que ça, c'est zéro? Vous savez ce que s'appelle agro-business? Vous voulez expliquez-moi, monsieur Sabou. Vous avez vu ce qu'il y a dedans? Mais l'agro-business, là, il faut faire très attention. Mais attends. Si dedans, dans le paquet, le paquet que nous avons vu, on n'a pas vu, s'il y a des engrais chimiques dedans, des pesticides dedans. Mais attendez. Laissez-le finir. Que c'est l'engrais chimique dedans, laissez le finir, William. Si. Vous ne pouvez pas anticiper que c'est l'engrais chimique. William Choki, s'il vous plaît. Dans le paquet de agro dont vous parlez là, il y a des engrais chimiques. Ce qui est sûr, vous n'avez pas encore vu le paquet. Non, j'ai dit si. D'accord. On doit, je l'ai répété ici, si les gouvernements, nos décideurs veulent qu'on les aide, ils doivent être transparents avec la population de la Boumekalavi pour dire dans ce paquet qu'on a signé, voici ce qui est dedans. S'il y a un engrais chimique, là, on va refuser. D'accord. S'il y a un pesticide, on va refuser. Une chose est sûre, Patrice Sagbo. S'il y a des semences OGM, on va refuser. Patrice Sagbo, vous m'écoutez. Vous m'écoutez. Oui, une chose est sûre, on n'a pas encore vu le paquet. On n'a pas vu encore. Pour William Choki, c'est quand même une avancée. Ça n'a pas été. Ça n'a pas été 2 semaines de tourisme. Nous blessons, c'est ça, les gens. Non, moi, je n'ai pas dit ça. Ça n'a pas été 2 semaines de tourisme. Ce qui est sûr, c'est les maires qui sont partis à cette COP. Pour les maires et les cadres. Ils sont là déjà. Ils vont l'exposer à leur population. Voilà. De la transparence totale. Je pense bien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que quelqu'un, une autorité locale, peut en sorte politique et décision, c'est pas la même chose. D'accord.
Ce qui est sûr, Alain Tosounon, ça n'a pas été 2 semaines de tourisme pour les cadres du ministère de l'Environnement. Et on ne l'a jamais dit, on le dira jamais. Déjà, il faut préciser. Oui, absolument. Ils ont même bien travaillé. Sinon, William ne serait pas content. Hein. Oui. On parle de moi. On n'a pas dit ça. Au contraire, ils ont veillé, ils ont vraiment travaillé. On va écouter. On a écouté, grâce à une de nos consœurs, on a écouté le ministre. La consœur, oui. Antoinette Sagbo. Exactement. De ODD TV, on a écouté le ministre du cadre de vie. Bien sûr. Également. Même si lui-même, par rapport à l'allure que prenait, donc. Il était déçu, tout simplement. Il a aussi manifesté sa déception. Mmh. Et ça, c'est sur les attentes au plan global. Ouais. Et on est d'accord là-dessus. Que William ne va pas me dire que par rapport aux attentes de la COP au plan général, que lui-même, il n'est pas déçu. Même si lui n'a pas coulé les larmes comme le président de la COP26 qui a coulé les larmes. Et ces larmes traduisent un peu toute sa déception. Surtout qu'à la dernière minute que ce test a été revu. Et c'est ça, je crois qu'ils l'ont dit. Et pourtant, vous avez vu le Premier ministre britannique à l'ouverture de la COP, il était optimiste, même s'il estimait que c'était difficile. Oui. Alors, cela dit, il y a quand même, pour rejoindre et pour calmer mon il y a de l'espoir. Ami, il y a eu des petites avancées. Moi, je parle des petits pas. Et c'est en cela qu'on ne peut pas dire qu'une COP, elle est inutile. Parce que on veut que tous les pays marchent sur une même dynamique, suivent. Mais c'est ça qui est difficile à avoir, compte tenu des enjeux économiques. Et on l'a dit ici, la pandémie de Covid-19 a été un facteur qui a encore davantage, disons, rendu difficile les négociations. Parce que les pays, aujourd'hui, le monde s'est arrêté en 2 ans pratiquement, et aujourd'hui, les pays font face à la reprise économique qui nécessite effectivement qu'on rallume les usines et qu'on pollue davantage. Le coût, en fait, de la transition écologique est énorme. Qui va le supporter ? Même dans un contexte normal où on n'a pas la Covid, c'était encore difficile. Et aujourd'hui, vous avez vu beaucoup de... Il a dit aux États-Unis, le retour des États-Unis avait été applaudi. Mais aujourd'hui, mon ami Joe fait face à la réalité. On a bloqué la deuxième partie de son plan de relance, justement pour les questions liées à l'environnement et les questions sociales. Ce plan n'est pas encore parce que les gens, même dans son propre camp, ils veulent voir clair. En fait, ils sont opposés à toutes les mesures donc environnementales qui sont contenues dans ce plan-là. Cela dit, on a quand même quelques petites avancées. Sur la question donc du méthane, c'est une centaine de pays se sont engagés effectivement à réduire de 30%. 140 pays. Non, moi j'ai lu une centaine de pays. 140 pays. Bon, ensuite sur la question de la déforestation, il y a quand même aussi des engagements sous l'impulsion du gouvernement britannique. On a quand même des engagements par rapport, donc, même si ça reste des promesses, et c'est là où je dis, faisons attention aux annonces. On dit on va arrêter la déforestation et nous savons très bien, si nous avons des gouvernants qui ne sont pas très engagés sur la question donc, de l'environnement comme notre ami du Brésil, il ne faut pas s'attendre du jour au lendemain qu'on arrête de comment on appelle, tout ce qui se passe au niveau de l'Amazonie. Et même au niveau du Congo, c'est vrai que le président congolais allait faire bonne figure avec... On sait très bien à l'intérieur comment ça se passe. Hein? On sait très bien à l'intérieur comment ça se passe. Et je crois que la troisième petite avancée après le méthane, la déforestation, je crois que c'est l'arrêt du financement étranger des énergies fossiles. Voilà. Donc, mais là encore, il faut aller voir si effectivement les pays sont prêts. Parce qu'un pays comme la France, par exemple, ne s'est pas engagé dans cette... et là, on attendait au moins que la France qui, aujourd'hui... Ce qui n'a pas été le cas. Ce qui n'a pas été le cas. Et moi, j'ai été surpris. Parce que je dis, aujourd'hui, Emmanuel Macron, dans tous ses discours et autres, mais quand vient l'heure de prendre la décision, de dire, nous ne voulons plus financer des projets... lié à l'énergie fossile à l'étranger, mais la France s'est rétractée. Est-ce que vous voyez? Donc ça, on fait un pas en avant, vue... on fait un pas en arrière, ouais. On est dans cette situation-là. Pendant ce temps, la température n'attend pas, elle est en train donc d'augmenter. Et nous ici, à petite échelle,
on le sent aussi. On le sent déjà. Voilà. Donc, du point de vue global, on n'a pas eu de grandes décisions. Maintenant, on va espérer que les pays qui, malheureusement, ressentent l'effet, justement, de tout ceci, puissent, comme M. Sabo l'a souhaité, se mettre ensemble. Ouais, aujourd'hui, même le ministre, notre ministre du cadre de vie l'a dit, il faut que chacun, au niveau de, de chaque pays, qu'on puisse déjà prendre nos responsabilités. Mais qu'est-ce qui est fait, par exemple, chez nous, ici au Bénin? Ben, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Aujourd'hui, tout ce qu'on construit comme infrastructure, c'est des infrastructures un peu plus résilientes au changement climatique. Tout ce qu'on fait par rapport à la mise en tête des plans que nous faisons, c'est des actions quand même pour amoindrir ces effets, ces chocs climatiques. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne fait rien sous nos cieux ici. Je veux quand même qu'on reconnaisse ce que nous faisons. Je ne veux pas qu'on peint en noir tout ce que nous faisons ici. Bah, fait, pour moi, parfois, quand on le fait, c'est comme si on ne veut pas voir. Non, on ne veut pas voir. Donc, on ne peut pas me dire qu'au pays, qu'on ne fait rien pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Non, personne ne l'a dit. Mais attends, là, mais, donc vous voulez dire que chaque année... Mais on peut faire mieux. Ce qu'on dit, oui, on peut mieux faire. Oui, je crois qu'on peut mieux faire. Mais que d'emblée qu'on dise, voilà. Qui était au cœur, sur la question de l'agroécologie, qui était au cœur même des discussions à la COP26. Exactement. Mais on demande que les pays fassent des efforts. C'est ça. Donc, nous, on attend notre pays, que notre pays également fasse des efforts par rapport à l'agroécologie. Par rapport au transport. La question de transport. Comment on fait pour aujourd'hui faire en sorte qu'il y ait moins de pollution atmosphérique. Et sur ces questions-là, on attend également notre gouvernement. Exactement. Parce que sur la question aujourd'hui de la pollution atmosphérique dans nos villes, nous savons très bien que nous avons besoin des transports en commun pour réduire donc la pollution atmosphérique. Et toutes ces questions-là, je crois qu'il faut des engagements fermes. Mais au-delà des engagements, il faut que effectivement qu'on finance des projets qui permettent effectivement de réduire. Parce que tout ça a une conséquence sur la santé des populations. Cette santé, aujourd'hui, le gouvernement se prépare à l'assurance maladie. Maladie. Bien sûr. Ça veut dire que si le gouvernement, si on ne veut pas faire payer cher donc les citoyens et même le gouvernement, parce que le gouvernement veut soutenir les personnes les plus vulnérables, c'est que déjà, il faut aussi penser à faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de maladies à prendre en charge. Et sur la question aujourd'hui des maladies cardiovasculaires, nous savons très bien qu'on est en train, il y a un pic. Et tout ça là est lié au fait que qu'on appelle, il y a la pollution atmosphérique. Sûr, c'est ça. Donc tout est lié et c'est pour ça qu'on dit, oui, nous sommes d'accord qu'il y a des efforts qui sont faits, mais on peut faire mieux, il faut aller plus loin. C'est pour dire, entre santé, climat, environnement, il y a vraiment un lien. Vous savez, le paludisme, hein, vous savez ce qui vous savez ça. Vous savez également que lorsque vous y allez, les maladies, vous y allez de l'air pollué, les maladies qu'on n'arrive même pas à détecter, tout ça, Alzheimer, tout ça. Donc, comment est-ce qu'on va arriver à évaluer tout ça pour dire c'est telle cause qui a fait que telle maladie a connu une progression dans notre pays? Tout ça là, il faut le faire. Moi, je voudrais ajouter ceci. Vous savez, j'ai entendu le directeur de l'environnement et du climat a fait le point des avancées du Bénin à la COP. Entre autres, il parle du sachet plastique. On ne veut plus des lois non appliquées. C'est-à-dire que la meilleure manière de se faire respecter, c'est de prendre les lois et de les appliquer. La loi contre le sachet, tout le monde l'a applaudi. Mais qu'est-ce qui fait bloque son application? Nous allons demander au chef de l'État si les cadres qui sont chargés d'appliquer ces différents droits-là sont capables, il est capable d'agir à leur lieu, en lieu et place. Il peut le faire. On l'a déjà vu. Vous savez, on l'a déjà vu. Donc, je pense que si on prend les lois, il faut les appliquer. On a dit... Oui, attendez. Par rapport à ça. Par rapport à ça. Est-ce que réellement, on peut, par rapport à la loi pour les sachets, là, est-ce que on ne peut pas revoir cette loi-là? C'est des possibilités. Interdit ça, au lieu que... Bon, parce que à mon avis, c'est un échec. Hein. Bon, c'est des possibilités de revoir si on n'est pas capable d'appliquer... Il y a des pays comme le Kenya aujourd'hui et le Burundi qui ont interdit l'importation de sachets. Oui, on peut le faire. Oui, pourquoi on ne peut pas aller là? Le président de la République a parlé de... Regardez, il faut enlever, chasser les cimenteries. Moi, j'attends de voir ça, quoi. En décembre... Est-ce que c'est le président de la République qui va partir à la Côte d'Ivoire pour dire est-ce que vous êtes déjà parti? On n'entend rien. Mais vous savez que ça, là, ça dégage des gaz, de tout ça, qui pollue, qui produit des maladies. Donc, il faut que ceux qui sont chargés de protéger notre environnement sachent qu'au niveau local, on peut agir et avoir des répercussions sur le général. Ici, il y a des actions à faire. La monoculture du coton, il ne faut plus faire ça. Ou bien il faut réduire. D'accord. Là, on va voir.
C'est des trucs comme monsieur ça. Adier. Donc moi je oui, vois que c'est des trucs comme ça. Et on dit aussi. Monsieur Sabo. Oui, oui, pour une dernière chose. Oui, oui. Le reboisement est une très belle initiative. D'accord. Nous avons dit de le rendre coercitif. D'accord. Pour que ça soit une obligation pour tout le monde. C'est difficile ça. Monsieur Adier voulait ajouter quelque chose. Oui, oui, je voulais dire que par rapport à cette loi-là, moi, à mon avis, on devait revoir cette loi et interdire carrément l'importation des sachets. Ça, ouais. ça ne tue pas. Et les gens, les d'autres pays. Okay. On y a fait. D'accord. Et aujourd'hui, le résultat est très bien. Parce que ne pas importer les sachets et non dégradables, ce n'est pas possible. Mm. Regardez notre frontière par rapport au Nigeria. Oui, regardez ça, comment vous voulez contrôler ça. Oui. Le contrôle est très difficile. C'est difficile. C'est difficile. Et financer le contrôle. Oui. Oui. Donc finalement, c'est difficile. Peut-être que le directeur de l'environnement et du climat aurait fait de mieux fait de ne pas rappeler cela à Glasgow. Oui, en fait, c'est une je crois que beaucoup de pays ont tenté, même avant nous, sur le Burkina aussi, le Burkina aussi a des difficultés, même avant le Burkina aussi, il y a d'autres pays, la Côte d'Ivoire aussi. Mais c'est que l'application cause problème, parce que aujourd'hui on a des frontières qui sont poreuses, et lorsque vous luttez contre les sachets plastiques alors que les gens continuent à importer, d'une manière ou d'une autre, par rapport aux frontières terrestres, ça cause un problème. Ce qu'il faut, c'est que, carrément, il faut refuser donc l'entrée de ces sachets-là. Et le problème aussi qui se pose, c'est qu'on a accepté les sachets biodégradables. Comment on fait la distinction entre les sachets biodégradables et les sachets dégradables? Parce que là aussi, il faut financer le contrôle et ça revient encore cher à notre pays donc, de faire cette distinction-là. Carrément, il faut dire, on ne veut plus de sachets plastiques. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut financer la recherche d'alternatives. Ah, hein, il faut faire travailler nos artisans, nos couturiers et couturiers qui sont capables de nous trouver d'autres alternatives. Oui. Parce qu'aujourd'hui, si on fait le point de l'application de cette loi-là, il n'y a que les pharmacies, il n'y a que les gros supermarchés qui arrivent. Oui. Mais les sachets ont fait leur retour dans nos marchés, suffisamment. En France. Et aujourd'hui, les bonnes dames ne se cachent pas pour, pour montrer tout leur stock de sachets. Ouais, de sachets. Avant, quand on avait commencé la lutte, mais elles cachaient les sachets. Oui. Mais maintenant, les sachets sont là. Elles déballent tout. Et les sachets noirs ont refait surface. D'accord. Alors que quand on a commencé la lutte, les sachets noirs avaient disparu au profit des sachets d'autres couleurs. Si on a pu démanteler à Djibouli, c'est pas le marché des sachets qu'on ne peut pas démanteler. Donc, finalement, William Tchouki, on va conclure sur ce sujet de Glasgow. Par rapport aux sachets, la lutte n'a pas été bien menée. Et puis là, à ce niveau, on a échoué vraiment. Comme l'a demandé M. Adjé, si on peut revoir cette loi, pourquoi pas, n'est pas interdit, enfin, du moins interdit quoi, définitivement les sachets dans notre pays, c'est mieux. Parce que quand on parle de sachets biodégradables, sachets, Alain l'a dit, comment reconnaître, quand je sors avec mon sachet, comment savoir, le policier qui est au bord de la voie, comment savoir que c'est tel produit? Ils sont combien ces gens qui vont contrôler? Donc, il vaut mieux qu'on interdise une fois pour de bon le sachet plastique, c'est mieux pour nous. Espérons une autre COP très bientôt, une COP qui pourra nous permettre d'évoluer dans les débats. N'est-ce pas, William? Vous n'êtes pas sûr. William, lui, il est optimiste. C'est quoi l'Égypte? Non, en fait, et puis, Alain également est optimiste. Non, on ne va pas refaire le débat. Hein. Non, oui, pas du tout. Vous savez, quand vous n'y allez pas pour discuter, les gens décident à votre place. Mais quand vous y allez aussi, vous avez votre mot à dire. C'est plus important. Voilà, c'est très important. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Voilà, ouais. Et peut-être que Alain Tosounon ira à la prochaine. Non, il faut dire aussi. Ceux qui financent, il faut le dire. Je suis sûr. Et ça, c'est là. On discute de la transparence. Si c'est l'État béninois qui va faire voyager toute la délégation béninoise, je pense que le président de la République va refuser de mettre de l'argent dans cette pagaille-là. C'est ça. C'est ceux qui polluent qui envoient l'argent pour dire venez, on va parler. Ah, c'est ça aussi. Je comprends. Il y a le volet de l'adaptation aussi, qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Pendant que William gelait à Glasgow, ici au Bénin, on a essuyé les affres de la mer. Et justement, c'est la transition toute faite. Je vais d'ailleurs demander à mon réalisateur de nous jouer quelques petites minutes, hein, 2 minutes au plus ou 3, comme extrait de ce qu'on a vu à Agoué quand on s'y est rendu. Regardez. Bienvenue dans l'arrondissement d'Agoué. Nous sommes dans la commune de Grand Popo. Pour la petite histoire,
C'est par cette mer que les premiers missionnaires ont foulé le sol béninois et ont apporté l'évangile. Des décennies plus tard, la mer, dans sa furie, dévaste tout sur son passage. Des centaines de maisons ont été englouties. Elle a même dévasté ou déraciné, je dirais, des arbres. L'exemple de ce tronc d'arbre sur lequel je suis assis. Juste à côté se trouve l'église catholique d'Agoué, une église qui est menacée également de disparition à cause de l'avancée de la mer. Nous allons rencontrer à cet effet un prêtre catholique pour nous parler de ce qu'ils vivent par ici. Comment vous vivez cette situation ici, vous qui êtes très proche de la mer? Pour les riverains de la mer, vraiment, c'est la peur dans le ventre parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va causer le dégât auquel tout le monde pense, quoi. Parce que tel ça avance, vraiment ça fait peur. Il y a des tonnes de maisons qui sont déjà englouties. Il paraît que ça engloutit beaucoup de maisons. Ça engloutit des maisons, des tas de maisons. Parce qu'il y a 5 ou 8 ans déjà, prenons 8 ans, il va falloir faire des kilomètres pour atteindre le bord de la mer comme nous sommes ici. Et il y a des maisons qui sont là, et comme des maisons qui sont au bord de la mer comme ça, et qui sont englouties. Donc vous êtes venu voir les tas de maisons, la mer est en train d'engloutir les choses. La mer est déjà ici, et voilà une maison qui est en train de partir simplement comme ça, facilement. Et de l'autre côté, vous allez voir des arbres qui sont là. On a mis des arbres jusque là, au fond. Et tous ces arbres-là sont partis, on ne saura plus rien. Donc c'est vraiment inquiétant. C'est inquiétant, des maisons englouties au quotidien par ici, par cette eau-là, cette mer qui évolue dangereusement. Et ça, c'est un puits. C'est un puits. Ouais. C'est un puits appartenant à des maisons. Et il y a tant de maisons qui sont déjà dévastées. Il reste juste cette maison-là. C'est un puits appartenant à des maisons, comme cette maison qui est juste à côté ici, qui est en train d'être avalée par la mer. Attention, voilà. Attention. C'est comme ça, l'eau vient, et puis ça emporte le sable. Et vous voyez le niveau là, ouais. C'était au niveau de là où se trouvait le sol. Et voilà, la mer a commencé par engloutir. Quand ça va encore enlever un peu, le puits va tomber, et puis c'est fini. C'est comme ça, ça prend les maisons. Vous n'avez pas peur que l'église, votre église, disparaisse là, un de ces jours? Oui, si on ne fait rien, ce n'est pas parce que c'est une église que ça ne peut pas partir. Si on ne fait rien, et ça va partir. Quand moi je suis arrivé ici, je me suis documenté, on m'a dit qu'il y a une église dedans. Tout comme au Togo, la cathédrale de Lomé, actuelle, l'ancienne église où la construction est complètement dans la mer. On ne sait plus aujourd'hui. Et c'est l'histoire qui va vous dire qu'il y a une église qui est ici, qui se trouve dans la mer ici. C'est pas parce que c'est l'église que ça ne va pas partir. Si on ne fait rien, 3 ans, 5 ans après, on ne retrouvera plus tout ce qui se trouve ici. Ça, c'est notre histoire. Si on ne fait rien, on perd tout. Pour vous qui êtes aux côtés des populations, qu'est-ce que vous leur dites pour les rassurer? En tant que pasteur, on ne peut que dire ce qu'on peut. Et c'est le message d'espoir. On dit toujours au peuple, l'évangile même c'est le message d'espoir, c'est la foi. Mais on dit, il n'y a pas la foi sans raison. La foi marche toujours avec la raison. C'est grave. Ah ouais, la situation, elle inquiète. Non mais Ricardo, il faut dire à ce nouveau, c'est vrai que le segment ouest par rapport à l'érosion, ça évolue dangereusement. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis là, à ce nouveau, je demanderai aux autorités de notre pays, le Bénin bien sûr, de taper du pied sur la table, de ramener... Enfin, c'est peut-être un peu grave ce qu'il dit. Le Togo à l'autre. Parce que de l'autre côté, les gens ne respectent rien du tout. Rien du tout. Et alors, rien du tout. Et c'est cela qui a des répercussions sur notre côte ici. C'est vrai que j'aurais voulu que les autorités s'asseyent, discutent.
Mais j'ai comme l'impression que de l'autre côté, on ne veut pas respecter la loi. On ne veut pas du tout arrêter cette pagaille qui se fait de l'autre côté. Je crois que M. Hadji est mieux placé pour expliquer ce qui se passe. M. Hadji, qu'est-ce qui se passe concrètement à Agoué? Bon, à Agoué, bon, il y a peut-être deux volets. Il y a le volet pollution. Parce que là, on a vu les images. Peut-être qu'on va les voir en off encore, oui. Oui, ça, c'est l'érosion côtière. Très bien. C'est ça, qui fait déjà la conséquence de ce que Tchoki allait discuter à Glasgow. C'est déjà ça. C'est la conséquence, en fait. La conséquence, ouais. Oui. Et même à l'est aussi, du port, il y a encore, depuis des années, c'est la même chose. Ouais. Il y a toujours un combat qui continue de se livrer. Donc, de l'autre côté, c'est vrai que le Togo n'avait pas respecté une loi qui est quand même internationale. C'est un test international qui est signé. On ne devrait pas ériger un ouvrage à moins de 10 km de la frontière de l'autre. Mais le Togo a fait le contraire. Le Togo a mis des épis à moins de 2 km de la frontière du Bénin, de l'autre côté. Ce qui a fait que le village côtier, qui est à Grand-Popo, est parti, du coup. Le Bénin a dû envoyer d'urgence une délégation là-bas pour suivre soi aux travaux. Ça, là, tout le monde le connaît. Donc, c'est chaque fois ça. Quand on revient sur pour la pollution, c'est la même chose. Le truc de Pémé, l'usine de Pémé qui est là. Peut-être que ça date de plus grand que vous et moi. Ça fait plus de 40 ans que cette usine-là déverse directement les déchets. Dans l'océan. Dans l'océan. Et l'eau change de couleur. Et l'eau change de couleur. Tout est pollué. Même quand vous prenez un échantillon ici au Bénin, ici à Cotonou, pardon, vous les analysez, vous allez voir. Et là, ça va tuer les poissons. Ça tue. Ça a pêché de problème là-bas, justement. Il ne peut plus avoir de poissons. Aussi les hommes. Oui, oui, ça intoxique aussi les hommes. J'ai fait partie deux ou trois fois d'une délégation du ministère du cadre de vie qui s'est rendue au Togo, avec peut-être même dans le trou des Américains, où on a négocié, on a fait des ateliers pendant des semaines, mais jusque-là, ça n'a rien donné. Ça fait déjà plus de 10 ans, ça. Ça n'a rien donné. Donc, si on revient sur le cas de l'érosion côtière, ça, oui. Comme on le dit, c'est... Et ça, on en parle depuis, parce que ces images ont été filmées il y a déjà plus de 6, 7, 8 mois. Aujourd'hui, oui. Ça a évolué par rapport à ça. C'est vrai, tout à l'heure, on en a abordé. Qu'est-ce que nous faisons? Quels sont les pays sous-développés ou les pays comme le Bénin font par rapport à l'adaptation? Au niveau local. Oui. Par rapport à l'adaptation, ce que je dis, il y a la recherche qu'il faut faire. Malheureusement, je continue de le dire, depuis quelques années, la recherche ne bouge pas vraiment de ce côté-là. Parce que tout est bloqué, on attend encore la politique de la recherche pour faire la relance. Alors, pendant ce moment, nous avons les dégâts. Mm. Oui, l'Institut océanographique qui devait s'occuper de cette activité le faisait depuis 2011, où ils font des campagnes tous les trimestres, ça fait 4 sorties par an. Mais malheureusement, depuis quelques années, parfois, vous ne sortez même pas du tout. Parfois, il n'y a même pas de sortie pour le faire. Parce que quand on fait ces sorties, on essaie d'apprécier correctement la côte et savoir ce qui se fait. Mais malheureusement, bon, ou heureusement, on continue de faire encore des alertes. Vous prenez votre portable, là, vous allez sur Play Store, vous allez voir GMS Africa, vous le téléchargez. Ça permet de vous donner des alertes au moins 24 heures avant. Et l'Institut également travaille pour donner des alertes 3 jours avant pour les pêcheurs. Mais là, c'est la prévention que nous faisons. On permet aux pêcheurs aujourd'hui de savoir quel est l'état de la mer pour avant de partir. La situation inquiète. Oui, mais bon, il y a un projet qui, quand le même... Le projet Waka. Porte l'espoir que... Bon, mais est-ce que ce projet a véritablement démarré? Oui, bon, en principe, le projet démarré, en principe, puisque nous voyons... En principe. Nous voyons depuis un moment, on a vu... Est-ce que le projet a démarré? C'est 36 millions de dollars, je crois, pour le Bénin et le Togo. Et au niveau du Bénin, je crois que la partie du financement donc, servira à combler les bras de lagunes donc, qui sont désaffectés à l'est de la ville de Grand-Popo, mais aussi ainsi qu'à construire des épis de protection. Alain Tosounou, oui. Est-ce que le projet a démarré? Oui, le projet a démarré. Comment? Mais, oui, bon, parce qu'avant le projet, il faut des études. Évidemment, il faut des études. On va étudier pour maintenant, il faut espérer. Parce que même tout dernièrement, vous avez vu encore que les populations étaient dans l'angoisse, hein, parce qu'il y a eu encore des débordements. Parce qu'il y a déjà une étude qui a montré que le Bénin perd 4 mètres de sa rive. Sa superficie. Chaque année. Sa superficie, on dirait. Ouais. Chaque année. 65. Oui, oui. Donc, mais au niveau du Togo, c'est 10 mètres. Selon l'étude de la Banque mondiale. Ça varie aussi d'un endroit à l'autre. Voilà, à l'est, on peut parler de toi, mais à l'ouest, avec la situation là, même en une seule journée ou en une seule nuit, là, vous pouvez aller à 5. Ouais. Donc, ça veut dire que
la montée, ça avance, ça avance. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, je crois que c'est important déjà de penser au-delà du projet là, qui pour nous traîne quand même, parce qu'on veut voir les résultats tout de suite pour sauver les populations donc, de cette situation. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas seulement des portions de terre que nous allons perdre. Mm-hmm. Mais quand vous voyez à Goué, quand même, ce que ça représente, si vous prenez donc, la religion catholique, c'est pas là que là, les premiers missionnaires sont venus. Parce que lui, il avait même peur Il y a un cimetière qui est là. Donc, la mer va emporter et une portion du territoire, mais aussi une partie de l'histoire. Mais est-ce que c'est même une portion? Parce que nous avons un pied qui est rentré dans le Togo, là, depuis Grand Popo, là. Nous avons moins de 23 kilomètres. Ouais. Pour quand vous prenez la carte du Bénin, là, il y a un pied qui est rentré dans le Togo. Mais ce pied est en train d'être rongé. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que nous avons encore la superficie qu'on avait il y a 20 ans. Et aussi les questions de pollution qu'on a évoquées. Oui. Si vous discutez avec les pêcheurs de Grand Popo et autres aux environs, ils vous diront qu'aujourd'hui, ils sont obligés d'aller plus loin pour trouver du poisson parce que tout simplement l'eau est polluée, il n'y a plus de poisson. Donc ça a des conséquences énormes sur le plan social et tout ça. Amel, on peut revoir les images pendant ce temps, Monsieur Patrice Sabo, l'heure est grave. Hein, moi je pense quand même qu'en deux états voisins, il peut avoir une équipe, c'est pas composée de toutes les compétences pour la recherche sur l'écosystème unique. Parce que tout se passe au niveau de cet écosystème commun que nous partageons. Comment un État peut se permettre de causer des dommages qui sont préjudiciables à l'autre État et personne ne dit rien. Moi, je pense que dans cet État et dans cette situation, il y a des décisions politiques à prendre. Mais pour prendre des décisions politiques, il faut des recherches. La recherche est la boussole de la décision. Mais si on se fout de la recherche, moi, je ne pense pas. Et il n'est pas possible qu'une équipe travaille au Togo, une autre ici, après, ils vont mettre les résultats comment? Ce n'est pas possible. C'est parce qu'ils ont trouvé de l'argent qui s'arrange. Le projet Waka, moi, je ne vois que des véhicules. Je ne vois que des véhicules pour le projet Waka. Pour le moment. Ensuite. Ils sont en train de faire les études. Vous avez entendu Alain l'a rappelé à l'instant. Les études sont en cours. Nous sommes sincères. Même si on n'est pas dans le projet, nous sommes intelligents, non? Ici, on parle de la mer dynamique. L'étude que vous avez faite aujourd'hui, si vous attendez 2 ans, elles deviennent fausses, obsolètes et ne sont pas applicables. Parce que la situation évolue. Exactement, c'est comme ça. Pendant combien de temps va-t-on faire des études et on consomme là-dedans, on dit l'argent est fini, après on n'a rien sous la main. Ce n'est pas possible. Il faut revoir cette politique d'études. Si c'est sur TFM, il n'y a pas de problème, on prend son temps. Mais ici, il s'agit de la mer. Elle est très dynamique. Ce que vous avez vu aujourd'hui, elle peut se déplacer pour aller à 20 km de demain. Donc, il faut agir vite. C'est ce que je pense. C'est-à-dire qu'il faut en fait mettre l'argent dans des missions, des PDM, voitures, études. On est là, on ne bouge pas. Ça, moi, j'indique vraiment les responsables de ce projet et l'État qui a déposé sa signature sur ce projet. Finalement, on va dire quoi? Et ça, c'est des dettes pour nous. C'est des dettes pour le Bénin. Et après, on va dire, on n'a rien fait. Après, on recommence. Et ce n'est pas pour la première fois que la Banque mondiale donne de l'argent pour ça. Il y en a eu avant. Ça n'a rien donné. Ils le savent. On recommence encore, il n'y aura rien du tout. Moi, je pense que c'est... Et c'est la population qui perdent. La population qui ne peut même rien réclamer. Vous voyez? Attendez. Si on a des projets de la Banque mondiale qui sont signés au nom des populations, on doit avoir un comité qui... De la population bénéficiaire qui doit avoir les yeux sur le projet, son évolution. C'est comme ça. Ici, on ne connaît rien. Les gens abusent des populations. Ils prennent l'argent, ils font ce qu'ils veulent et on revient au statu quo. Oui. C'est pas possible. William, vous comprenez la colère Je suis d'accord avec la colère de M. Sabou. C'est vrai que ça fait longtemps. On a toujours parlé d'études. Pendant ce temps, la mer continue de ronger une bonne partie. Mais là, ça avance. Parce que là, si on ne fait rien, et l'église. L'église va partir. D'abord, le cimetière. Papa, le cimetière. Oui, mais c'est déjà là. Tu vois, donc, moi, j'aurais voulu que l'État. Par rapport au projet Waka, si ça traîne et que les procédures sont tellement longues, que l'État prenne sa responsabilité. Quoi. Soit le président se dit, ok, nous, Bénin, on prend notre responsabilité, on le fait comme on l'a fait au niveau du segment Est. Voilà. Parce que là, au moins, on a senti quand même qu'on a pu arrêter un peu l'avancée, même si après le dernier pi, la mer continue de ronger. Donc, j'aurais voulu que l'État dise, ok, ce projet Waka, là, soit on arrête et puis on continue avec nos propres moyens pour pouvoir arrêter la chose. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Il y a aujourd'hui un instrument qu'on appelle la diplomatie de l'eau. Voilà. C'est important et vous savez que nous formons avec le bassin, avec le Togo, le bassin du Mono. Je crois qu'il y a des passerelles
pour pouvoir échanger. Parce que si les deux États ne se parlent pas, on ne peut pas arriver à bout de ce problème-là. Si chacun veut chercher la solution à son niveau, ouais, la ressource eau ne connaît pas de frontières. Donc, elle est dynamique. Elle évolue. Elle évolue, elle est dynamique. Donc, et c'est un écosystème. Donc, il faut absolument qu'au niveau... Donc, et nous avons aujourd'hui une autorité du bassin du Mono qui réunit les deux États. Je crois que c'est un creuset pour que les deux États puissent se parler et pouvoir donc adresser mais efficacement. Ils le font, justement. Oui, mais il faut que ça avance. Parce que là, pendant que les discussions donc perdurent, vous avez des populations qu'aujourd'hui, il faut déplacer. Il faut carrément déplacer si nous voulons... Parce que finalement, il faut déplacer... Non, il faut surtout les populations qui sont dans la côte nord, je crois. Il faut les déplacer pour des questions de sécurité. Parce que... C'est ce qu'on appelait pète les dommages. Oui, parce que le problème... Qu'est-ce qu'on fait? Qui connaît cela? Ce sont des réfugiés aujourd'hui climatiques. Il faut pouvoir donc les prendre en charge. Il faut les déplacer parce qu'il va arriver un jour, un matin, où l'eau va envahir tout le monde et puis on aura des pertes en vies humaines. Donc, il faut prendre déjà... Et je crois que dans ce projet Waka, la seconde phase donc, devrait donc, s'intéresser à... À comment aider non, la population. Déplacement, au déplacement des populations. Des populations qui se situent au niveau de la côte nord. Il faut espérer que, effectivement, que ça se fasse très rapidement pour que, bon, que le drame ne survienne pas avant que la solution vienne. Le projet, oui. L'eau, la mer, ça avance dangereusement. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'urgence? Oui. Normalement, le projet Waka est venu pour régler ce problème-là parce que pendant longtemps, on s'est dit que quand chaque pays travaille de son côté, on ne peut pas régler le problème de l'érosion côtière. Parce que j'ai dit tout à l'heure... Finalement, le projet Waka n'a rien réglé encore. J'ai évoqué tout à l'heure que l'autre ne peut pas ériger un ouvrage à moins de 10 km de la frontière de l'autre. Donc, regardez du côté de Semekboji. Ça veut dire que là où on est, là, si on est à moins de 10 km, on ne peut pas ériger malgré que ça avance. Donc, on doit s'entendre. Et c'est d'ailleurs pour ça que la communauté régionale a trouvé cette solution de Waka où on doit travailler ensemble, tous les pays doivent travailler ensemble. Et c'est là où je suis d'accord par rapport à M. Sabo qui dit que normalement la communauté scientifique, les chercheurs devaient se mettre. S'il y a 4 pays dans Waka, ça veut dire qu'on doit former un comité scientifique qui regroupe ces pays-là. Et ensemble, on doit voir les données, travailler ensemble et voir réellement les méthodes qu'on doit faire. Aujourd'hui, je ne pense pas que ça se passe comme ça. Waka est logé peut-être au Togo et puis on prend des études et parfois même c'est des expatriés qui viennent, qui n'ont rien pour faire. Oui, je crois quand même qu'il y a des scientifiques. On a 2 minutes pour conclure. Qui travaille. C'est pas... On va faire le dernier. Monsieur Ali. Oui, ok, donc c'est que... Dernier, oui, ok, d'accord. Ce que je dirais, c'est qu'il faut que chaque pays, en matière d'adaptation, vraiment, revoie un peu sa stratégie. Au Bénin, il faut que la recherche fasse réellement son travail avec l'appui du gouvernement, qu'on puisse savoir réellement à tel endroit combien on est en train de perdre par année, ceci, et on prend des méthodes. Quand la recherche travaille et la politique prend des données et va négocier, ça passe. Voilà. Et sans ça, là, vous parlez en l'air. Oui. Merci beaucoup. Donc, les maires, les préfets ont du travail. Le préfet du Mono a du travail. Les maires qui sont dans cette... ils doivent interpeller le projet Waka pour dire qu'est-ce qui est dedans dans cette enveloppe-là et qu'est-ce que vous faites depuis. C'est leur droit. Et ils parlent au nom des populations pour qui ils sont là. Je pense que c'est comme ça. Et l'État béninois doit interpeller également le projet pour dire nous ne sommes pas sur la terre ferme. Nous sommes dans la mer où tout évolue, ce projet-là. On peut revoir et réorienter les objectifs. William, je pense que c'est comme ça. Et pour dire aussi merci à Tchouki, merci beaucoup de nous faire revivre, de nous avoir fait revivre vraiment les étapes du... Et on n'est pas... Non, William, non mais, votre conclusion va finir. Non, mais Sabo, je suis d'accord avec vous que... ce qu'on voulait, on aurait voulu, on l'a pas eu, je suis d'accord, que moi, au fond de moi, je suis déçu, il faut le reconnaître. Mais tu ne l'as pas clairement exprimé, c'est ça. Merci bon, de nous rejoindre bon. Au moins à la C'est fin bon, William. Oui, allez, vous voilà. Allez finir. Moi, je crois qu'on ne va pas continuer à attendre que les grandes décisions de la COP, vous avez vu tout le temps que ça prend. Je crois qu'au niveau donc chaque pays, au niveau donc de chaque commune, nous devons travailler effectivement à augmenter notre capacité donc de résilience. Dans tous les petits projets qu'il y a, c'est comment on fait pour intégrer cette question-là, parce que les pertes et les dommages, c'est nous qui les subissons ici et nous n'avons pas les moyens d'y faire face. Donc il vaut mieux que déjà à petite échelle qu'on essaie donc de prendre des mesures pour protéger les populations.
D'accord. Merci Alain Tosoulon. Vous êtes journaliste spécialisé dans des questions d'environnement, d'eau et d'assainissement. Vous dirigez d'ailleurs cette association donc, des journalistes spécialistes des questions d'environnement au Bénin. Vous en êtes le président et votre vice-président, c'est justement William Tchouki. William, comme le dirait l'autre, bon retour, mais ayez l'esprit de compte rendu. Hein. Oui, c'est très important. Ah ben oui. Merci, monsieur Adier, merci, monsieur Sabo, à très bientôt. La suite de votre matinale, tout à l'heure, je recevrai le père Eric Opeicha. Il est le directeur de la cellule de communication de la conférence épiscopale du Bénin. Avec lui, nous parlerons donc du 160e anniversaire de l'évangélisation continue. Eh bien, de quoi s'agit-il? Il nous en donnera les détails. Ce sera dans un court instant. À tout de suite. C'est jeudi. Une activité des femmes qui habitent la côte béninoise. À partir de certains, vous allez voir au niveau de Guézin, de Gautin-Comin, et vous allez voir Ouida, au niveau de certains villages qui longent la lagune de Ouida, et aussi autour de lac Aimé, ainsi de suite. Mais par contre, quand tu consommes les huîtres, ça renforce le système cardiaque. Quand tu en consommes, tu protèges tout ce qui est lié au cœur. Tu as un bon rythme de poule, tu marches bien, on n'est pas essoufflé, on n'est pas fatigué. L'ORTB, passons-vous. Aujourd'hui, L'ORTB, passant vous. Mercredi. À Dogba et Kokissa. Les canons du conflit sanglant se sont tus depuis très longtemps. On a tendance à vivre dans cette image de la colonisation et la colonisation a effacé notre histoire. Je l'ai espéré. J'ai désespéré. Je me suis accroché et j'ai prié tous les dieux, tous nos ancêtres. Les artisans qui étaient à la cour royale étaient triés sur le volet. 90 à 95% du patrimoine africain serait à l'extérieur du continent, dans les grands musées européens notamment. L'ORTB passe. Retour donc sur ce plateau, je reçois le père Eric Peïka, directeur de la cellule de communication de la conférence épiscopale du Bénin. Bonjour mon père. Bonjour monsieur le journaliste. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Et justement, l'église catholique est en fait, j'ai envie de dire, l'église qui célèbre donc le 160e anniversaire de l'évangélisation continue. Alors c'est quoi l'évangélisation continue? Alors merci monsieur Jean pour la question et effectivement je salue les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent. Effectivement l'église du Bénin est en fait cette semaine et l'église du Bénin célèbre les 160 ans de son évangélisation continue. Pourquoi continue? Parce que avant 1861 il y a eu beaucoup de tentatives infructueuses, c'est-à-dire les missionnaires arrivent au Dahomey de l'époque ou à la côte. Il commence, et puis, à cause d'un certain nombre de difficultés ou de facteurs négatifs, eh bien, ça s'arrête.
Et quelques années plus tard, d'autres missionnaires reviennent. C'est en 1861, avec les pères Francis Bergoglio et Fernandez, qu'on aura une évangélisation continue jusqu'à nos jours. C'est pour cela qu'il y a 10 ans, on avait célébré avec faste les 150 ans, avec la visite apostolique du pape émérite Benoît XVI, qui était venu au Bénin, et en novembre 2011. Ça fait 10 ans maintenant. Ça fait 10 ans. Donc l'Église célèbre cette semaine non seulement les 160 ans d'évangélisation continue, mais aussi le 10e anniversaire de cette visite apostolique au Bénin. Et c'est une visite qui était vraiment chargée, puisque à cette époque-là, le pape Benoît XVI a donné rendez-vous à tous les évêques africains pour qu'ils viennent au Bénin. Et au Bénin, il lui a donné un document que nous appelons Afrique Mounous, en français, l'engagement de l'Afrique pour la paix, la justice et la réconciliation. Et donc ce document-là a été remis à tous les évêques africains qui étaient venus à Cotonou en 2011. Alors 10 ans après, il était de bon ton d'évaluer le chemin parcouru. Okay. Puisque le document donnait une feuille de route pour l'Église en Afrique. Donc nous marquons maintenant une pause pour rendre grâce à Dieu, d'abord pour les 160 ans, et ensuite pour voir quel est le degré de réception et de mise en application de ce document qui a été donné à toute l'Afrique à partir du Bénin. Alors, comment ça va se passer tout ceci, puisque c'est la semaine festive pour l'Église catholique? C'est vrai, vous savez que, bon, vu le contexte sanitaire, et toute célébration est marquée du sceau de la sobriété. Bien sûr. Donc, nous aurons 3 activités essentielles. Lesquelles? Alors, la première, c'est un tridium de prière. Vous savez qu'en toute occasion, le chrétien prie. Donc, un tridium de prière sur toute l'étendue du territoire national. Donc, tous les catholiques, toutes les personnes de volonté, toutes les personnes de bonne volonté, même vous, Ricardo, vous êtes invité à faire cette prière de 3 jours. Très bien. Mercredi, jeudi, vendredi. Ça, c'est la première activité. La deuxième activité... Peu importe l'heure, hein? Oui, peu importe l'heure. D'accord. Et d'ailleurs, le canevas est disponible sur le web. On l'a partagé suffisamment sur les réseaux sociaux. Donc, tous les curés de paroisse, les fidèles et toute personne de bonne volonté peut télécharger et dire la prière mercredi, jeudi, vendredi pour l'Église catholique au Bénin. Très bien. La deuxième activité, c'est un colloque scientifique. Et là, le thème du colloque, c'est « Église de Dieu au Bénin, 160 ans d'évangélisation, quelle foi pour quel peuple ?» Les principaux atouts et défis pour une véritable incarnation de l'Évangile à la lumière d'Afrique Mounous. En gros, évaluer le chemin parcouru jusque-là. Ça fait 160 ans que nous sommes chrétiens, que nous avons été évangélisés. Alors, quels fruits portons-nous dans la société? Quelle foi pour quel peuple? Ensuite, ce document-là qui a été donné à toute l'Église en Afrique à partir du Bénin. Et en 2011, le Bénin était comme un pôle d'expansion missionnaire. Tous les évêques du continent africain étaient là pour recevoir le pape. Ce document-là qui a été donné chez nous, quelle application avons-nous pu faire de ce document jusque-là? Et puis, évidemment, il faut regarder l'avenir, quels sont les défis et qui nous attendent les années à venir. Et les défis sont nombreux. Donc ça, c'est la deuxième activité qui est plus, disons, plus réflexive, plus intellectuelle. Okay. Et la dernière activité, ça va être la messe solennelle. La messe solennelle à Ouida, la basilique Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouida, qui pour nous est un lieu hautement symbolique pour la chrétienté au Bénin. Donc la messe aura lieu à Ouida à 9h30, le samedi 20 novembre 2011. Vu les conditions sanitaires, tout le monde ne pourra pas y participer, mais tout le monde peut s'unir d'intention là où il est. Et puis, au moins par la radio Immaculée, quelques organes de presse, ils pourront suivre ce qui se passe. Ce sont quand même de très bons moments, hein, que, surtout de prières que nous allons passer, parce que ça interpelle chacun. Il faudrait qu'on puisse faire le point aujourd'hui de ce qu'on a gagné après toutes ces années d'évangélisation et du fruit que l'on porte réellement dans la société aujourd'hui. C'est cela. C'est vraiment cela. Et quel est le témoignage que donnent les chrétiens aujourd'hui? Nous sommes héritiers des pionniers d'hier, c'est-à-dire des missionnaires qui nous ont apporté. Et puis après, nous avons eu aussi beaucoup de missionnaires autochtones, c'est-à-dire des évêques, des prêtres. On a même eu un cardinal. Ça fait partie des fruits des 160 ans d'évangélisation du Bénin, le canal Gantin, qu'on ne peut pas oublier. Et puis, je vais vous donner une bonne nouvelle.
c'est que le 20 novembre, où nous célébrons les 160 ans d'évangélisation du Bénin, eh bien, il a plu au Seigneur de nous donner encore un joli cadeau. Lequel? Et ce cadeau, c'est l'ordination épiscopale à Rome de Monseigneur Datonou Dieudonné, qui est un prêtre de l'archidiocèse de Cotonou, que le pape a nommé évêque, bien sûr, mais pour être nonce apostolique au Burundi. Ouais. Donc, il devient le représentant du pape auprès de l'État du Burundi et auprès de l'Église catholique au Burundi. Et ça, c'est une première. On n'a jamais eu un nonce. Et Dieu a voulu que ce soit exactement ce jour-là qu'ait lieu son ordination à Rome. Bon. Évidemment, quelques évêques iront pour participer à cette ordination épiscopale. Mais tout le peuple de Dieu au Bénin est invité à rendre grâce à Dieu. C'est vraiment une merveille. C'est une merveille, c'est une bénédiction. Tout simplement, trois rendez-vous à prendre, mercredi, jeudi, vendredi. Le tridium de prière. La conférence, le colloque scientifique, voilà. Église de Dieu au Bénin, quelle foi, pour quel peuple, ça va se dérouler au grand séminaire Saint-Gaudens de Ouida, les 18 et 19 novembre. 18 et 19 novembre. Oui. Et puis, il y a la messe solennelle le samedi 20 novembre. Exactement. À 9h30. À 9h30, à la basilique. On prend le rendez-vous. Quel est le message, votre message à l'endroit de tous les fidèles catholiques qui vous regardent? Merci pour cette opportunité que vous me donnez de m'adresser aux catholiques. Je voudrais lancer un appel. D'abord, pour qu'ils soient fiers de leur Église. L'Église catholique au Bénin a beaucoup contribué sur le plan spirituel, sur le plan social. L'Église a beaucoup contribué pour le développement, pour la paix, pour l'enracinement de la démocratie. Elle continue de jouer son rôle. Donc, être fier de leur Église. Mon deuxième appel à leur endroit, c'est pour qu'ils prient pour leur Église. Pour qu'ils prient pour que l'Église puisse continuer à jouer son rôle. Le rôle que son divin maître lui a assigné. Et ce, jusqu'à la fin des temps. Malgré les problèmes, malgré les adversités. En dépit de tout. En dépit de tout, comme vous le dites. Et puis, troisième chose, qu'ils s'engagent, que chaque baptisé se dise, je suis missionnaire de cette église-là. Vous voyez, quand vous allez à Goué, vous allez voir le cimetière des premiers missionnaires. Ils mouraient à moins de 30 ans. Il y a beaucoup de catéchistes qui ont donné leur vie pour le Christ. Nous sommes héritiers de tout cela. L'église que nous formons aujourd'hui, c'est, disons, le sang, la sueur et les larmes de ces missionnaires-là. Alors aujourd'hui, nous ne pouvons pas rester, disons, derrière. Nous aussi, nous devons, disons, tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne et jouer notre partition, y compris vous, si vous êtes catholique. Absolument. Et prendre votre engagement au service de votre Église pour le bien de cette Église-là. En tout cas, à Dieu soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci, Père Éric Peïcha. Je le rappelle, vous êtes le directeur de la cellule de communication de la conférence épiscopale donc, du Bénin. On prend le rendez-vous donc, de cette belle semaine dédiée au 160e anniversaire de l'évangélisation continue, l'Église catholique béninoise qui est en fête. Merci, mon Père. Merci à vous. Et vous passez une excellente journée et une très belle fête. On prend le rendez-vous, on sera ensemble. Voilà, à vous parler. Merci, à très bientôt. La suite de votre matinale, encore deux rendez-vous, les sports avec Hugues Zissouzounon et puis la revue de presse avec Marcella Rossi. L'espoir donc avec Hugues Issouzounon qui arrachait quelques mots au prêtre. Non, c'est le prêtre qui me chante. Il disait quoi? Le Bénin est éliminé. Donc, il est déçu. Il est déçu. Oui. Comme beaucoup de Béninois. Exactement. Beaucoup de Béninois. On s'imaginait déjà très loin après les barrages, Hugues. Mais malheureusement, eh bien, il y a eu ce pénalty. D'accord. Et ce but donc... de la RDC, des Léopards, face au Bénin, après un pénalty à polémique. Effectivement,
Penati à polémique, est-ce qu'il y avait faute ou pas? On va directement à la régie pour suivre ces images, pour voir si effectivement Khaled Adenon a touché le défenseur congolais sur ces images de Evariste Zoumaou. On voit clairement que Khaled Adenon ne touche pas le Congolais, mais l'arbitre gabonais a pris sa décision et a donné un péno à cette équipe du Congo. Et à partir de cet instant, je crois qu'au bout de la 10e minute de jeu, les Béninois sont devenus un peu nerveux et sont sortis de leur rencontre. Le pénalty de Mbokani tiré, et bien tiré en plus, qui rentre au fond des filets. Et juste après ce péno, il y a eu la réaction des Béninois pendant la première mi-temps, où ils ont gardé le ballon, ils ont circulé le ballon, ils ont cherché à marquer autour de la 46e minute. Malheureusement, le ballon n'est pas entré au fond des filets. On va suivre, grâce à Amel Gwenyrin, la deuxième réalisation de l'équipe de la République démocratique du Congo. Et là, c'est un très très beau but, le centre en retrait autour de la 75e minute, qui ne laisse aucune chance. Le but là est propre, irréprochable, rien à dire. Et le Congo qui consolide son avance dans cette rencontre de 2-0. Les 10 dernières minutes ont été à l'avantage des Congolais, qui ont gagné 2-0 et qui valident pour l'instant le ticket pour les barrages qui auront lieu à partir du mois de mars. Tirage au sort prévu le mois de décembre. Vous étiez justement dans ce stade ce jour-là. J'imagine que vous étiez déçu, hein, comme beaucoup de Béninois. Déçu, mais en même temps, je regarde toujours les rencontres avec beaucoup de froideur. C'est vrai que c'est pas évident non plus, parce qu'il faut se battre d'abord pour trouver les accréditations pour les confrères. Ils étaient 31 au total. Les journalistes, presse écrite, presse en ligne, c'est quand même, je vais dire, une taille incelle grâce au gouvernement béninois, grâce au gouvernement béninois de Patrice Talon. Donc, un match qui était à huis clos, avoir 31 accréditations, c'était pas évident. Je remercie au passage le directeur de la communication de la Fédération congolaise de football, Géry. Mais malheureusement, une fois arrivé au stade, ça a été compliqué pour Issa Amadou, Blaise Adankou, Ivaris, parce que le chef de l'État congolais était au stade. Donc, les accréditations officielles données par la Fédération congolaise de football ont été refusées. Donc, ils ont été bloqués pendant une vingtaine de minutes grâce au doyen Kabulo Mwana Kabulo. Finalement, ils sont rentrés à l'intérieur du stade. Ça a été également des moments de pression, mais ça ne servait à rien d'affoler le peuple béninois à l'aéroport, parce que selon la réciprocité entre les deux fédérations, les Béninois, la partie béninoise et notamment le gouvernement béninois, par le biais du ministre de la Santé, avait offert 70 tests gratuits aux Congolais. Donc selon la réciprocité, c'est que les Congolais devraient donner 70 tests gratuit aux Béninois, ce qui n'a pas été le cas. C'était une délégation de 160 personnes. Donc les Béninois ont payé la totalité des tests Covid. Ça a été dit à la réunion technique d'avant-match, parce qu'on rappelle tout ceci au commissaire au match, qui est camerounais. Mais les Congolais ont dit que ce n'est pas eux qui décident à l'aéroport, c'est le ministère de la Santé. Ensuite, à la réunion technique, et ça c'est très important, le commissaire au match rappelle en fait le règlement, c'est-à-dire aux deux parties, 5 changements en 3 temps. Donc les Congolais n'ont pas respecté les 5 changements en 3 temps. Ils ont fait 5 changements en 4 temps, ce qui fait l'objet de polémiques depuis dimanche soir. Il y a eu des changements à la mi-temps et ça ne compte pas. Vous pouvez faire 4 ou 5 changements à la mi-temps, c'est votre problème. Mais le règlement stipule clairement qu'il faut faire 5 changements en 3 temps. La Fédération béninoise de football a fait recours à la Fédération internationale de football association. Donc, il y a une réserve technique qui a été portée. On verra la suite de l'affaire. Il y a également l'équipe je fais juste une sortie de route, du Ghana, qui a porté une réserve technique suite à un pénalty complètement inexistant, sifflé par l'arbitre sénégalais face à l'Afrique du Sud. Donc, il compte également sur la jurisprudence du
du Sénégal, qui s'est qualifié à la Coupe du Monde de 2018 parce qu'il y a un pénalty inexistant sifflé par l'arbitre ghanéen dans la rencontre Afrique du Sud-Sénégal. L'arbitre a été suspendu à vie. La rencontre Afrique du Sud-Sénégal a été rejouée parce que la première rencontre de l'Afrique du Sud avait gagné 2-1. Finalement, le Sénégal gagne, se qualifie pour la Coupe du Monde, ce qui a déclenché la colère des Burkinabés et des Burkinabés qui n'ont toujours pas digéré jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que cette jurisprudence sera appliquée, puisque tout le continent soupçonne un tout petit peu que la secrétaire générale de la Fédération internationale de football association, c'est la Sénégalaise Fatma. Donc le match du Sénégal a été rejoué. Est-ce que les autres rencontres seront rejouées? Gros point d'interrogation, on verra. Mais bon... on a vu quand même le très très long feuilleton du plus long match joué entre deux pays, notamment la Sierra Leone et le Bénin. Au final, la CAF n'a pas donné raison au Bénin. Le match a été rejoué. Les Sierra Leonais ont payé une somme franchement dérisoire. Maintenant, c'est une affaire devant la Fédération internationale de football association, qui est plus crédible, n'ayons pas peur des mots non plus, que la Confédération africaine de football. Donc on verra bien la suite de l'affaire. On verra bien donc la suite de l'affaire. Hugues Issouzounou, vous nous proposez très rapidement une série de réactions d'après-match. On va proposer quelques séries de réactions si on a le temps. Mais si on n'a pas le temps, on va laisser Marcel faire sa revue de presse. Donc, on a encore 3 minutes avant la revue de presse. D'accord. La réaction de Jodel Dossou qui fustige l'arbitrage. Et voilà, c'est ce qui arrive quand on court derrière le score et tout. On n'arrive pas à en marquer et tout. Voilà, on est tous déçus ce soir. On est encore déçus, encore le public sportif béninois, encore un échec une fois. Mais bon, comme on le dit, l'échec permet à chaque fois de se remettre en cause. Et on va travailler, on va devoir travailler, travailler, travailler. Non, il n'y a pas pénalty. Il faut arrêter, franchement, il faut arrêter que les arbitres en Afrique commencent à faire du désordre, quoi. Parce que là, maintenant, on a subi la même chose que sur la Sierra Leone. Et encore, face à un match aussi décisif comme ça, et que les arbitres de ce niveau se mettent à faire des choses comme ça, franchement, c'est une honte pour l'Afrique, quoi. À un moment donné, il faut que la CAF et la FIFA prennent ses responsabilités vis-à-vis de ces fléaux qui ne font que perdurer, et ça fait reculer le football africain. Et s'il fait un pénalty comme ça, franchement, pour moi, je serais vraiment désolant qu'un arbitre passe à côté, parce que c'est un match très décisif. Ils ont pris l'ascendance psychologique parce qu'ils avaient zéro occasion, ils n'avaient rien. Ils leur donnent un pembini, ils passent devant, c'est plus le même match. On commence par courir derrière le score, bah, c'est normal, tu laisses des espaces. Et après, ça use les organes, les organes s'usent, et après, on encaisse le deuxième but, voilà. On est tous déçus, mais comme je l'ai dit, on va travailler parce qu'il faut vraiment du travail. Voilà, on est encore déçus encore ce soir, voilà. Mais bon, on va juste le dire, l'échec permet de se corriger. On va se prendre au sérieux et on va essayer quand même de travailler parce qu'on a encore du chemin. Franchement, on a encore du chemin et je pense que c'est en travaillant que nous aussi, on aura plus d'expérience comme des pays comme ça et avoir des joueurs... qui jouent dans des grandes équipes et tout. Je pense que si on y met tous, et je pense que le gouvernement a compris la chose et la formation à la base et tout, ça a commencé, le championnat béninois aussi a commencé. Maintenant, le plus dur, c'est essayer de faire sortir les jeunes, essayer de les faire sortir. Comme ça, ils vont continuer la formation en Europe et ils atteindraient plus vite un niveau plus supérieur. Et je pense qu'on aura plus d'internationaux qui viendront pour nous aider encore beaucoup plus. C'est tout simplement dommage. En dehors de ces aspects de faux techniques, il y a beaucoup de pertinence dans ce que dit Jodel Dossou. C'est-à-dire qu'au-delà des plaintes, il dit clairement, parce que lui, il sait que dans l'équipe du Bénin, il y a 3 joueurs qui jouent en Ligue 1, notamment Cédric Rontondji, Jodel Dossou et Steve Mounier. Donc, il demande, il souhaite que l'équipe du Bénin ait désormais plus de joueurs évoluant dans l'élite, c'est-à-dire des joueurs en première ligue, des joueurs en Bundesliga. Et à son avis, si on a des top players, quelle que soit la situation, c'est qu'on peut renverser malgré un arbitrage pas catholique ou un arbitrage corrompu. On peut réaliser le miracle, en fait. Et j'espère qu'on aura d'ici 10 ou 15 ans, parce qu'il faut être patient. J'ai discuté avec Edmé Kodjo hier,
qui me disait que dans les centres de formation, des gens disent qu'ils sont directeurs techniques, mais ils n'ont pas cette compétence. Donc, plus vous avez des joueurs de talent, plus vous êtes capable de composer deux ou trois équipes, vous pouvez battre n'importe qui, et ça prend du temps, ça va prendre du temps. Les plus anciens sont partis à la retraite, il y a Stéphane Sessian qui n'est plus là, il y a Moritala, Ola Ogumbiyi, bientôt d'autres iront à la retraite, et pour se qualifier à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, les gens ont l'impression que les matchs que les écureuils jouent, c'est des matchs de niveau moyen, avec quelques joueurs du championnat, on dit ils peuvent, mais pour se qualifier, il faut avoir des top players du niveau de Stéphane Sessian, de Moritala Ogumbiyi. Merci beaucoup. Et ça va être pas facile les prochaines années. C'est sûr. Merci Hugues. Zissouzon, vous restez avec moi. On va rapidement lire les journaux. Marcela Rossi, on parle toujours de ce match entre la RDC et le Bénin. Oui, pour certains, devant la CAF, le match continue. Pour d'autres, ça continue aussi devant la FIFA et devant le comité d'organisation de la compétition. Le Bénin appelle au scandale à nouveau selon Fraternité. Après donc sa défaite concédée dimanche dernier au stade des Martyrs face à la République démocratique du Congo, il ne compte pas laisser ce qu'il qualifie de violation des règlements sous silence. Selon les informations recueillies, les autorités du football béninois vont saisir la Confédération africaine de football et la Fédération internationale de football association FIFA. Cette plainte n'aurait rien à voir avec la qualité de l'arbitrage, notamment le pénalty jugé généreux sifflé à la 10e minute en faveur de la RDC, mais formulé sur les sessions de remplacement opérées par l'adversaire. Le vin est tiré, mais le Bénin refuse de le boire, affirme le Grand Regard. Alors qu'on pensait que le match a déjà pris fin dimanche dernier avec l'élimination des écureuils, les autorités béninoises continuent de jouer les prolongations devant la FIFA. À en croire le Grand Regard, le Bénin a déjà saisi la FIFA pour deux irrégularités qui ont entaché la rencontre. Le pénalty transformé vers la 10e minute de jeu et les quatre changements opérés en seconde période par le sélectionneur des Léopards de la RDC. Pour la nation, la RDC est dans l'œil du cyclone, en clarifiant que durant le match, chaque équipe peut utiliser un maximum de 5 remplacements avec un maximum aussi de 3 opportunités pour les effectuer. Beaucoup d'autres irrégularités ont émaillé cette rencontre au cours de laquelle le score a été ouvert sur un pénalty litigieux à la 10e minute, souligne la nation Ricardo. Et puis, projet de loi de finances, Marcela Rossi, le défilé des ministres a démarré. Ablaye Biotiane et Adidjatou Matisse ont planché hier. La nation revient ce matin avec des précisions sur les chiffres défendus par les deux ministres face aux députés. Les prévisions de dépenses du ministère du Développement et de la Coordination de l'Action gouvernementale s'établissent en 2022 à la somme de 5 954 438 000 francs CFA, dont plus de 4 milliards de francs CFA de dépenses ordinaires et plus d'un milliard et demi de dépenses en capital. Selon le ministre d'État Ablaye Biotiane, par rapport à 2021, le budget 2022 de son ministère a connu une baisse de 45% en raison de la diminution des dépenses de fonctionnement de 15% et des dépenses en capital de 71%. Cette régression est liée à l'arrivée à échéance de la majorité des projets de portefeuille du ministère et le transfert de certaines structures à d'autres départements ministériels, notamment l'INSAE, qui est parti de ce ministère. Au ministère du Travail et de la Fonction publique, le budget 2022 s'établit à 7 490 millions contre 7 228 millions en 2021, rapporte le quotidien du service public. Avec Fraternité, on pourra retrouver dès ce matin l'intégralité du document présenté à la commission budgétaire du Parlement par le ministre Ablaye Biotiane et un extrait de la déclaration de Mme Adidjatou Matisse. Et puis, Marcela Rossi, il y a cette transition fiscale, puisque vous parlez de finances, transition fiscale en Afrique de l'Ouest. Eh bien, des experts se concertent à Cotonou. Oui, matin libre. Depuis hier, s'est ouvert à Cotonou un atelier de restitution des outils de transition fiscale en Afrique de l'Ouest. Atelier dont la teneur est restituée ce matin dans les colonnes du quotidien Matin Libre. C'est une rencontre internationale qui va prendre fin vendredi prochain. Et puis, on va finir par les résultats du 20e concours d'agrégation CAMES.
14 nouveaux agrégés en droit privé. Information relayée ce matin par le quotidien du service public La Nation. Les délibérations dans le cadre du 20e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES ont démarré hier lundi 15 novembre dans la soirée, notamment dans la section droit privé, 14 candidats, dont un béninois, seront déclarés admis sur 41 au départ, Ricardo. Marcela Rossi, c'était la revue de presse. Merci à vous. C'est moi, merci. À demain. À demain. Hugues Nsouzounon, merci. À demain. Merci beaucoup, à demain. Mesdames et messieurs, ainsi se referme votre matinale 5 sur 7 matin de ce mardi 16 novembre 2021. Merci de votre fidélité. Merci à Claire Dacruz, merci à Moïse Agoye et puis à Armel Beyrin qui était donc à la réalisation et puis également à Igor Ayosso. Merci, à demain, 5 sur 7.